Dans la cheatlist, l'émission hors série de Rotor va le Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro, nous allons nous concentrer sur les trois pires films d'un réalisateur américain de 55 ans. Ancien chef-op et réalisateur dans l'univers de la publicité, fan de jeux vidéo, comics, de culture populaire et de guns. Son style visuel est souvent nourri par ses passions qu'il a pu exprimer sur ses dix films. Réalisateur plus ou moins décrié par rapport à son style et ses prises de position, aujourd'hui c'est la fête à Zachary Edward Snyder, plus connu sous le nom de Zack Snyder. Pour ce numéro de cheatlist, on va vous parler de ce qui est pour nous ses trois pires films. Watchman sorti en 2009, Sucker Punch sorti en 2011 et Batman v Superman l'aube de la justice sorti en 2016. Je suis Luc Legoninec et avec moi pour se plonger avec l'enthousiasme la plus totale dans le pire de Zack Snyder, je suis accompagné de Marvin Montes du podcast Final Cut, salut Marvin Bonjour, quel plaisir Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop Salut Romain Plourde de la chaîne Twitch Ramen Rider Bonjour, quel enfer <laughs> Et Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin, salut Karim <laughs> Salut tout le monde Et on commence sans plus attendre avec Watchmen L'un des nôtres a été tué cette nuit Quelqu'un sait pourquoi. Quelqu'un sait. J'ai cru comprendre qu'il travaillait pour le gouvernement. C'est peut-être un ordre politique. Ou quelqu'un qui prend les héros costumés pour cible. Selon John, il va y avoir une guerre nucléaire. Et si c'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer pour nous empêcher d'intervenir. Attaquer l'un des nôtres revient à nous attaquer tous. Les Watchmen sont finis. Quelle solution tu proposes Le châtiment. Watchmen sorti en 2009, adapté du comics à succès du même nom sorti en 86 scénarisé par Alan Moore et illustré par Dave Gibbons et Johnny Higgins. Le scénario du film est écrit par Alex qui s'est déjà illustré pour les films Sexy Dance et également David Ater, scénariste des deux premières X-Men et aussi le doubleur du meilleur personnage de jeu vidéo de tous les temps, Solid Snake, dans la saga Metal Gear Solid. Le film quant à lui raconte quasiment la même chose que le comics, ce qui en termes d'adaptation est plutôt un exercice réussi ma foi. Retour en 85 aux états unis où la tension est au maximum entre le bloc Ouest et Est, qui sont à deux doigts de s'envoyer des mises Nucléaire dans la gueule. Dans cette crise diplomatique, un ancien héros, le comédien interprété par Jeffrey Dan Morgan, se fait assassiner et c'est alors que. Euh, bah alors là, c'est un peu le nom, euh, c'est un peu la roue, hein, c'est Rossark, Rochark Ross ou Rorschark. -Ror Rorschark. 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 Voilà. Interprété par Jackie Earl Haley, un ancien de ses collègues faisant partie des Watchmen, enquête sur son meurtre et va découvrir un complot malgré lui qui menace de tuer et de discréditer tous les super-héros du passé et du présent qui aura des conséquences catastrophiques pour le futur de l'humanité. Rien que ça. Alors pourquoi Watchmen se retrouve aujourd'hui dans les pires films de Zack et eh bien, c'est Marvin qui va répondre à cette question pendant au moins 1h30. Je vous propose <laughs> peut-être en attendant <laughs> du popcorn, peut-être un café. Euh, café, quelqu'un, Manu, un popcorn Non Moi, je voulais juste te dire que tu as dit qu'il faisait partie des Watchmen alors que c'est les Men. C'est pas grave, voilà. on s'en branle. Merci, Merci Manu. Voilà, tout ce qu'on aime pas chez le public de Snyder, <laughs> c'est déjà fait. Voilà. <laughs> Transition. Non, mais en fait, c'est un petit troll, c'est du gentil trollisme, parce que peut-être que factuellement, c'est pas le pire film, on y reviendra plus tard. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu, quand tu cherches un peu, quand tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a autour de Snyder, tout ce qui, tout ce qui provoque un peu comme réaction à moitié épidermique, quoi, parce que, en fait, Snyder, c'est un auteur, quoi. Ouais, c'est on peut on peut le définir comme un auteur dans le sens où il produit un truc qui est inégalable et inégalé quoi, il y a que lui à faire ça. Donc quelque part, c'est un auteur comme Michael Bay est un auteur quoi. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de zone grisée quand on parle de Snyder, il y a pas de gens qui disent euh, c'est bien mais j'aime pas trop certains trucs ou quoi, c'est toujours euh... Soit ça provoque chez toi une espèce de rejet viscéral, soit en fait tu l'adores et tu vas, tu sais, en enfer, quoi qu'il produise, quoi. On a eu un bon exemple il y a 4 ou 5 jours, là. C'était compliqué quand même. <laughs> je, je, je choisis Watchmen parce que c'est, à mon sens, peut-être celui qui bénéficie plus de mensuétude. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui. Euh qui sont plutôt coulants avec Watchmen, qui pensent que c'est une super adaptation, euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Je trouve ça un peu, un peu bizarre comme qualificatif, quoi. Euh, déjà c'est un peu foireux comme, euh, comme idée de toute façon, je pense, hein, parce que euh, au moment de Watchmen, euh, Snyder il sort de, de 300, euh, ce qui était un, qui était un beau succès quand même. Donc il commence à être catalogué un peu comme un espèce de nouveau, euh, nouveau réalisateur, de euh, ces visionnaires. Dans le sens où il porte une vraie vision, quoi. Un peu de droite, tu sais, mec qui se réclame de John Minus, euh, qui porte des casquettes de la NRA pendant la promo, enfin, tu vois, tous <laughs> ces trucs-là un, un peu foireux. Et puis donc, il récupère... Euh, Watchmen, je crois que c'est la Warner qui vient le chercher, hein. je suis pas sûr que ça soit vraiment de son fait. C'est Warner qui vient Ouais, c'est Warner qui vient le chercher, parce que, à la base, euh, c'était Paul Greengrass qui était dessus. Il y a eu du monde dessus, hein. c'est un projet qui date de 15-20 ans, c'est un bordel le truc. Hein. Mais non, mais j'aime bien citer Paul Greengrass, parce que quelque part, tu peux quand même te dire que ça aurait pu être pire, tu vois. <laughs> <Et> euh... <laughs> du coup, on se retrouve donc avec cette espèce d'adaptation de Watchmen euh, par Zack Snyder, quoi. Donc pour moi, déjà, il y a quelque part, euh, la Warner fait une petite erreur de casting, quoi, euh, parce que, alors je suis pas un fan de comics euh quoi, J'ai pas trop cette culture là, ça me glisse un peu dessus donc euh, des fois quand on parle un peu de vie et de mort avec ces figures là, ça m'échappe un peu quoi. Donc euh, après le fait que ce soit une adaptation réussie ou pas, pff, quelque part je m'en fous un peu. Il y a juste un truc qui est important quand on adapte une œuvre, c'est que on foire pas la totalité du, du discours qu'on est censé adapter. Et donc avec ce mec là aux commandes, c'était pas possible. Euh, donc euh, en fait, il y a surtout dans Watchmen, avant toute chose, un grand coup d'esbrouf qui je pense est ce fameux truc du. Regardez, il a adapté le roman graphique euh, à la case près. Déjà, c'est un peu l'idée hein, qu'on a, hein, que déjà il y avait ça dans 300, et dans Watchmen, on entend toujours. Regarde, il a adapté à la case près. Déjà, c'est probablement un aveu de faiblesse, quoi. C'est-à-dire que de toute façon c'est quelque chose qui est ré réputé inadaptable. Donc qu'est-ce que tu fais pour adapter un truc inadaptable Bah, écoute, hein, je vais prendre vraiment au premier degré, de manière littérale. Donc, essayez de le prendre case par case. Après, il faudrait peut-être essayer de lire ce qu'il y a entre les cases, en fait, pour comprendre l'histoire que tu racontes. Non, mais vraiment, quoi, tu vois euh, C'est-à-dire que c'est même pas vrai, parce que tu vois, le découpage est pas le même. Le, le style graphique de Gibbons, c'est pas, pas euh, à proprement parler le truc le plus violent du monde. Enfin, je, je, je pense pas me planter, dans le sens, c'est pas le truc le plus démonstratif euh, qui soit, puisque Watchmen, pour le coup, c'est un truc que j'ai lu plusieurs fois. C'est un des rares trucs que vraiment je connais un peu, quoi. Et en fait, on retrouve tout ce qui fait les obsessions, alors naissantes, hein, de Snyder depuis 300. Une espèce d'obsession graphique, obsession de la violence, voilà, euh, pour commencer. Ce qui, quand même, à mon sens, est une grave erreur quand on. Quand on adapte ce récit-là et qu'on essaye de concentrer tout son propos visuel autour de la violence, tu vois, t'as des scènes qui sont dégueulasses dans Watchmen, tu vois, t'as des bouts de tripes au plafond, quand le docteur Manhattan, il vaporise des gens, t'as un combat dans une allée, où normalement, tu vois, tu dois voir des super-héros quand même sur le déclin, qui sont un peu en train de galérer et tout. Là, en fait, on monte des, des plans au ralenti sur des fractures ouvertes, enfin, tout ce genre de discours, va euh, enfin, qui est hyper complaisant en fait au final qui est un truc euh, un truc un peu un peu pop tu sais post moderne pareil le choix musical est imbuvable quoi franchement tu sais. quand t'as Simon et Garfunkel qui commence par l'enterrement du comédien qu'est-ce que c'est que ça quoi ça fait 20 minutes que je suis là j'ai envie de mourir quoi voilà il y, y a tous ces trucs là qui clairement vont vont, vont vont pas du tout quoi ah, les balles réelles quoi ouais, non. <laughs> tire à balles réelles <laughs> non mais comme Zack mon... Snyder frère j'ai encore <laughs> non mais j'ai encore... encore rien dit <rire> mais... <rire> donc il y a ça il y a l'incompréhension totale en fait du discours global tu vois euh, c'est-à-dire que c'est quand même un... On va spoiler, hein. je pense qu'il faut prévenir, on va spoiler à fond, parce que là je vais y aller, là, donc je le dis. Ouais. Il, y a, il y a un souci majeur aussi dans, 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 dans la fondation du, du discours. Il se passe un truc à la fin de Watchmen, c'est-à-dire que pour, en gros, le, le projet du, du méchant de l'histoire, un peu, donc euh, le fameux Ozimandias. C'est en fait d'essayer de, de re relier un peu les nations entre elles, de ressouder les liens euh, post-guerre froide, quoi, avec une espèce de monstre factice qui serait créé par tous les euh, artistes, bah, par un, un gros tas d'artistes de la planète. Euh, voilà, t'as des peintres, machin, des dessinateurs, tout ça. Donc, ce qui déjà est une métaphore assez forte, hein, dans le sens où je pense que Moore, il pensait que, euh, tu vois, l'art, quelque part, ça pouvait réunifier les gens. Ah, c'est ce que ça veut dire quoi, bêtement, si tu le prends littéralement. Bon, déjà, Snyder, il déteste hein, le côté artistique du truc, il s'en moque tout le temps dans tous ses films, donc je pense qu'on reparlera de BVS, mais c'est hallucinant. Et donc, il choisit autre chose. Il choisit d'utiliser euh, en fait, euh, Varosimandias. Son plan, c'est de reprendre, je crois, l'espèce de signature thermique de, des pouvoirs du Docteur Manhattan pour créer des fausses ouais. attaques dans le monde. Enfin, ça doit être ça le truc. Enfin, c'est complètement con, mais admettons. Et du coup, ça marche pas. Parce qu'en fait, à la fin, tout le monde, tout le, tout le monde se réunifie en disant Ah oui, c'est vrai qu'il y a des menaces plus grandes que nous, mais bon, en fait, c'est clairement une menace qui est estampillée USA, quoi. Donc, euh, déjà, ça ne tient pas debout, si tu veux. En termes de, en termes de cohérence narrative du discours, ça ne tient absolument pas debout, quoi. Et puis, la dernière chose, avant, avant, avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre, parce que vous avez vu, je ne fais pas une heure. Là, je suis sympa, je ne pas une heure. <laughs> Oh, il boude non, Oh, non, il boude mais je, je rebondirai plus tard, peut-être. Il y a aussi le casting, hein, qui est, à mon sens, plein d'erreurs. Hein. C'est assez compliqué, quoi. Je pense au spectre soyeux, par exemple, hein, qui est censé être. Quand même dans le roman graphique un petit peu euh, détaché de sa jeunesse et clairement sur le déclin quoi. Là, tu la mets dans, dans, dans son costume en queer comme une sur euh, comme une surbonasse Enfin, ça, ça n'a ça aucun sens, quoi. Et bon, encore une fois, c'est le problème de sexualisation Snyder. Je pense qu'on y reviendra plus tard aussi. Hein. Et puis, bon, voilà, tu retrouves toute cette fascination pour le combat, pour la violence, pour les armes à feu au travers du comédien, pour la destruction de masse. Euh, quand quand t'as le Docteur Manhattan qui gagne le Vietnam, si tu veux, sur la chevauchée des Valkyries. Enfin, je, je comprends pas. Plus... Je, je c'est ce... un hommage. Ouais, ouais non mais d'accord, mais c'est un hommage. C'est ça, c'est le postmodernisme. Ok, cool. Mais voilà, il y, y a tous ces trucs-là en fait qui fonctionnent jamais. Et c'est une vraie interrogation pour moi, c'est pourquoi. Pourquoi ce truc-là bénéficie autant de autant de ouais de mensuétude comme je disais quoi Qu'est-ce qui se passe je, je sais pas. Vraiment, je me je, en fait c'est le film qui relève le plus d'interrogations chez moi. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et je vais me tourner. Vers Manu pour répondre peut-être à ta question. Franchement, c'est dur de passer après Marvin. <laughs> passer après un argumentaire de 5 minutes relativement pertinent. Euh, je, je ne m'en cacherai pas. Ça va introduire déjà euh, ma vision de Snyder sur la suite du podcast. Euh, je suis absolument pas d'accord avec ses idées. Mais euh, comme Marvin l'a dit, dans, dans ce film, il fait du casse par case. Et ça reste une adaptation. Watchmen, il y a à peu près euh, 37 niveaux de lecture à l'œuvre en tant que comics. Mais c'est le comics. Et il faut détacher l'adaptation du comics dans, ce, dans cette idée-là. De mon point de vue, c'est tellement une adaptation case par case, à l'exception de la sexification des personnages, parce que tu parlais de spectre soyeux, le hibou, c'est pareil. Hein, le mm -hmm. hibou, c'est censé être un, un, un super-héros traité bedonnant euh, qui commence hein, qui, qui a du mal à rentrer dans son costume et qui arrive plus à bander euh, sans son costume. quoi. Et du coup, à part ça, c'est tellement une adaptation case par case que je suis capable d'en projeter la lecture que je veux en euh, me passant totalement de la vision de Zack Snyder de, de, qui peut avoir des choses pour me projeter dans un film qui euh, met à l'écran euh, les images que j'aime lire en comics. Donc, euh, de ce point de vue-là, étant donné qu'au final, pour moi, il met peut-être de, sa... de ses points de vue dans l'adaptation euh, image par image, pas de façon ostentatoire, pas comme ça le sera un peu plus tard quand on reparlera de BVS par exemple, sa vision de Batman et Superman, euh, on y reviendra, mais euh, là, il impose une vision. Alors qu'avec Watchmen. Il, il prend un chemin détour, détourné, on va dire. Donc, euh, moi, c'est un film que j'aime, que j'apprécie, que je réussis à défendre. Je suis capable de le revoir dans sa version ultimate sans aucun problème. Je trouverais toujours, toujours ça moins long que... Euh 3 heures de BVS ou 4 heures de, de Snyder Cut, quoi. Ouais. Moi, je précise quand même juste que j'ai revu l'Ultimate Cut, hein, qui fait 217 minutes, voilà, et qui intègre le Tales of the Barkfinder, qui est un des pires animés animé que j'ai pu voir de ma vie à l'écran. C'est parce... moche. C'est absolument moche, et je voulais juste poser une question, du coup, Manu, parce que tu me dis que tu pouvais être détaché de la vision Snyder euh, dans, dans Watchmen, mais alors est-ce que tu arrives à t'en détacher visuellement, parce que là, c'est chaud quand même, dans le sens où ce qu'il a ramené visuellement, c'est son identité propre, quoi. Tu vois, c'est cette espèce de colorimétrie euh, clair-obscur, le truc factice, tu sais, c'est l'amour du factice, quoi. C'est ce qui fait que je pense que les gens l'aiment bien, c'est parce qu'ils ont l'impression, enfin il leur fait croire qu'il fait du comics à l'écran, alors que c'est une grande fumisterie, mais. Mais je sais pas, j'ai du mal à me passer de, de, de cette vision-là, quoi. C est, c est... Moi je ne suis pas autant choqué que toi par l'animé. L'anime, ce qui me choque le plus, à la rigueur, c'est que le comics au sein du comics, ça a un, un, un sens euh, mmh. dans, au sein du médium. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quand euh, en 2019, euh, c'est. Euh, euh, Lindelof qui adapte, qu adapte Watchmen pour le petit écran, euh, on, a de, on a du petit écran à l'intérieur du petit écran. Adapter l'animé au cinéma, le mettre dans une version ciné, même dans une version ultimate, c'est une version ultimate. Alors je comprends ce que ce soit dedans. Pour moi, l'animé n'a pas grand chose à faire dans le film en fait. Il est dans le film Il n'est pas à dans côté La version ultimate, il est dans le film, mais avant il était sorti séparément en fait. Il te colle des scènes, déjà que les points de montage chez Snyder, c'est toujours un peu compliqué je trouve. Mais là en plus, c'est vraiment euh, c'est vraiment le niveau zéro quoi. Est-ce est qu'à part ouais. ça, est-ce que la version ultimate ajoute beaucoup de contenu par non, rapport en fait, elle, a direct, elle, elle a le contenu du directeur cut qui devait faire 20 minutes de plus, je crois. Plus l'intégration de l'animé. Plus l'intégration de l'animé, donc t'arrives à 217 minutes, je crois, un truc comme ça. L'enfer. Le, le film, faut savoir, il a pas, il a pas cartonné du tout. Hein. Il a même bidé en salle parce qu'il y a quand même eu 130 millions de budget sans marketing et il en a rapporté 185 millions worldwide donc ça veut dire qu'en fait si ça se trouve le budget marketing il a déjà bouffé en fait ce qui pouvait rester de recettes quoi. il faut voir le nombre de gens qui sont allés le voir en pensant que c'était un film de super héros lambda par rapport à la bande à ouais, et puis surtout qu'il était vendu ouais, déjà euh... autour du nom de Snyder qui commençait à avoir une espèce d'aura euh, post l'armée des morts déjà mine de rien qui avait relancé ouais. la zombie exploitation quoi. Post, -300, post 300 surtout qui était l'adaptation sur euh, l'affiche il y a un gros par le réalisateur visionnaire deux, trois. Ouais. Je peux comprendre l'aspect visionnaire dans le sens où il porte une vraie vision. Et quelle vision, mes amis Dites-vous qu'on a failli avoir un autre Watchmen, un Watchmen bien différent, mm -hmm. un Watchmen comme tu disais. Il y, avait peut il y a peut-être failli avoir Paul Greengrass mm -hmm. euh, Jason Bourne. Non, non, on a failli se le manger dans la gueule lui. Il y avait au départ, il y a eu Burton qui était pressenti pour le réaliser. Mais là, je vous parle milieu des années 90, hein, quand il était cool. Aronofsky, oh, Darren Aronofsky, Terry Gilliam. Et Terry Gilliam, il y avait déjà un scénario qui était bien écrit. Mais euh, en gros, c'était avec son scénariste de Brésil. Euh, qu'il a écrit Watchmen. Et en fait, ça aurait été comme Watch, euh, comme Brésil, en fait, ça aurait été à la fin, en fait, ils fument tous du crack et ils faisaient tous un rêve, quoi. Yes. Juste pour terminer, il faut savoir que Greengrass, lui, il avait eu l'accord d'Alan Moore. Pour le faire. Ah oui. Euh, parce que Alan Moore, quand il parle du Watchmen de Snyder, c'est soit il en a rien à foutre, soit il déteste. Ça dépend des jours où on lui demande quoi. Il n'avait pas négocié les droits pour pas que son nom puisse être utilisé. Ouais, ouais, je crois. Mais il l'avait pour Green Et en fait, ce qui avait merdé et ce qui me semblait pourtant à mon sens être une bonne idée, c'est Green Grass. Il voulait le replacer dans le contexte actuel. Oui. Euh, parce qu'il avait ouais. compris que c'était inadaptable. Donc du coup, il voulait en faire un vrai truc post en septembre. Et en fait, je pense que c'était une meilleure idée parce que finalement, pendant qu'on parle, je me dis que peut-être le problème de du Watchmen de Snyder, c'est d'avoir voulu absolument le garder dans son contexte d'époque. Au vu du discours, je pense que ça aurait été plus acceptable dans un contexte actuel, tu vois, pour, pour un public plus. plus parce que large, le discours, quoi. il est très post 11 septembre finalement. Bah, il, il aurait pu il des... coller en tout cas quoi. Ouais. En plus de ça, juste pour ouais pour finir, je pense qu'il y a aussi le fait que Snyder euh, ça collait bien avec Frank Miller parce que Frank Miller, c'est pas non plus euh, le, tu vois, 300, cents, c'est pas le roman graphique le plus subtil du monde quoi. Donc, euh, non. Euh, donc mm -hmm. voilà, je pense que Snyder il collait assez bien à ça. Je pense que quand il doit adapter, euh, quand il doit adapter Gibbons, bah, il est beaucoup moins à l'aise. quoi, Parce que mm -hmm. euh, c'est clairement pas en accord avec ce que lui il fait à l'écran. Carrément. Euh, au casting, il a failli avoir donc Robin Williams, Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, Kenny Reeves, Kevin Costner, Sean Penn et Tommy Lee Jones. Tous ces noms sont passés dans les. Par curiosité, pourquoi pas, tu vois Parce que je trouve que le casting qu'on a pour la version actuelle, elle est. Il est pas fou fou quoi. Après, je me demande comment ça aurait rendu Docteur Manhattan dans les années 90. Est-ce qu'on aurait pas un mec en bleu Est-ce qu'on lui aurait mis une grosse bite ballante euh... Ah ouais, voilà. Euh, La version de David Hater de 2003 qui a eu un test footage qui, a, qui est sorti il y a deux ans, deux, trois ans, je crois. Mm. Ah ouais on voit, mm. euh, on voit Rorschach notamment. Rorschach et le hibou, je crois. Mais le hibou euh, hors costume. Ça, ça fait bizarre, du coup, à voir. Euh, parce qu'on a un, on a un Rorschach avec juste masque de Rorschach. <laughs> qui bouge pas, qui est pas animé comme dans le film. Ouais, ouais ça faisait Chelou, ça avait juste une chaussette qui est dégueulasse, quoi, sur la gueule. Quoi. <laughs> ça. Moi, j'aimerais quand même revenir sur un point qui, moi, me plaît beaucoup dans Watchmen, et je crois que c'est pour ça que j'aime bien le regarder, que j'ai pas trop de soucis avec ce film, c'est que je trouve que visuellement, il défonce pour un film qui a 11 ans. Qui a au moins des jolis parties prévisuelles, malgré quelques CGI qu'on ont dans le sens où Dr. Manhattan est un peu dégueulasse par instant et un peu bizarre, malgré tout ce que vous dites, j'ai un ressenti très personnel par rapport au film, dans le sens où je m'assois, je le regarde, c'est cool, quoi, c'est pas. Je suis pas dans les, détails, dans les détails comme ça, c'est très joli, c'est rythmé n'importe comment. On est pas sans cinéma. Ça, c'est le défaut que je trouve au film. C'est que t'as une demi-heure intéressante, une heure chiante. À la fin, ça redevient intéressant quand il y a enfin les résolutions. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il aime se regarder filmer, Snyder, des fois T'as des plans ah, anti... Ouais, voilà, c'est un poseur. C'est exactement le terme que, que je cherchais. Et c'est là où on trouve les débuts du Snyder ultra poser qu'on aura plus tard. Dans 300, ça passait parce que là aussi, il adapte case par case, mais le roman graphique euh, se prêtait beaucoup à ça. Et il s'est complètement enfermé dedans, puis après, ça va donner ce dont on va parler juste ensuite. Karim, à toi. Watchmen, ça a été une relecture aujourd'hui, parce que je l'avais vu pas mal de fois, mais jamais sans trop m'intéresser au fait du film. C'était un, enfin, un film de Snyder. Et juste avec, vu ce que j'ai fait trop de Snyder en deux jours. Et, euh, et en vrai, regardez <laughs> Watchmen. l'organisation <laughs> Franchement, moi je l'ai fait en deux jours, ça va, ça va. J'ai pas tout bouffé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai bouffé que Watchmen. Et ça m'a fait un peu mal, parce que même si j'arriverais toujours à, à apprécier le film, parce que visuellement, il me plaît, euh, j'ai le souvenir nostalgique et pas cool mais euh, d'être tombé sur un peu ce premier film de super-héros qui ressemblait pas aux autres. Par contre aujourd'hui m'a fait chier parce que je le trouve euh, très insidieux dans certains propos en fait. Euh, C'est-à-dire j'ai l'impression que Snyder tord le film à certains moments pour te caler euh, son idéologie et j'aime pas son idéologie et euh, son idéologie. Ben Watchmen voilà, c'est vraiment pour moi il fait, il fait vraiment ça. Tous les problèmes que t'auras par Snyder tu les résous avec quelque chose de primaire, la violence ou le sexe. Ça m'a ça fait chier. Cette scène de cul entre ce, le spectre soyeux le hibou avec Alléluia qui dure 3 ouais, ouais, heures. Ouais, c le lancement, lance mais oui, c'est formidable. Et il a un vrai problème avec les étrangers, mais tout le temps. Hein. On verra dans Batman contre Superman, on verra dans Superman. Il a un problème face à l'étranger. L'étranger, c'est pas bien. Mmh. L Handicapé euh... en 300 déjà. Oui, voilà. Mais de, 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 de toute façon, toute euh, sa filmographie, il y aura toujours un combat contre quelque chose qui représente euh, l'étranger, tu vois. Bah, quand tu re regardes un film que t'aimes bien avec ça en main, c'est difficile de te sortir de la tête et ça le rend le film un peu amer. Et c'est dommage parce que c'est un film que je trouve quand même cool, parce que j'arriverais pas à lui cracher dessus, mais amer. Et là où il m'emmerde, c'est que je, je, je ben, quand je reparle de Watchmen avec des potes qui sont pas très cinés ou quoi que ce soit. Il est trop discret, c'est trop vice en fait. Tu sais, les gens voient pas ça, les gens voient c'est stylé, machin, ce que tu veux dire. Et j'aime pas cette idée de forcer un propos pour réussir à caler tes idées. Quelque part, ça doit rentrer dans la tête. Donc j'aime pas trop ça en fait. Et donc ça m'a remis une relecture un peu amère du film en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, notamment avec la, le personnage de est... Shark qui est, euh, est d'extrême droite hein, complètement. Hein, c'est un gros un facho de, quoi. Hein. Un, un, un gros, gros facho, facho de merde dans la BD, dans le comics. C'est un peu plus atténué. Dans le film, bah, belle... je trouve que c'est un facho de merde dans le film aussi, tu vois. Ouais. Bah, moi, je sais pas parce qu'en fait, la, la différence avec la BD, je trouve que dans la BD, même s'il est punitif et que c'est déjà un facho, il prend pas un plaisir fou à ce qu'il fait. Tu vois, c'est à dire qu'il y a une espèce de croisade euh, perso et qu'il le fait comme, euh, parce qu'il doit le faire, quoi. Alors que dans le film, dès que t'as une scène de baston, en fait, tout de suite, ça devient jouissif. Et c'est vraiment ça le problème, quoi. Tu vois, quand tu montres des fractures ouvertes, euh, des trucs comme ça, bah, en fait, euh, c'est pour te dire, waouh, putain, c'est cool, quoi. Tu sais, super, c'est fun. Parce que, juste pour rappeler que Snyder, c'est le mec au monde. Le moins intéressant à écouter parler le cinéma, c'est un enfer, c'est horrible, quoi. A... Non, mais il <laughs> y, y a des gens qui en ont parlé, il y a des gens qui l'ont interviewé, tu vois, dans, dans des médias français, ils disent c'est le pire client que tu puisses avoir parce que c'est juste un mec qui réfléchit de manière instinctive à son cinéma, il trouve ça fun, il trouve ça cool, il trouve ça beau, donc il le pense sincèrement, il le fait comme ça, mais il réfléchit pas à ce qu'il fait. Donc, euh... bah, en tout cas, il réfléchit pas consciemment à ce qu'il fait. Il y a quand même des trucs qui ressortent, évidemment, bah, c'est évident. C'est un adolescent, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'il a ce public-là de, de, de 30-40 quarantenaires, je pense, qui retrouve un peu. Euh, qui retrouve un petit peu un espèce de truc, mais... Je... ouais. Il y a un plan, moi, je trouve, qui montre justement que c'est un peu un adolescent. Et même si je le, je le comprends, ce plan, c'est le plan vers la fin, quand Ozimandias, en fait, euh, tu vois, un, il a assis sur son fauteuil, il y a 45 milliards euh, d'écran TV, il surveille euh, le hibou et Rorschach qui arrivent dans la neige. Et tu vois, en fait, euh, je me suis amusé à mettre sur pause pour voir qu'est-ce qu'il y avait à la télé à ce moment-là. Mm -hmm. Et donc je me suis dit, si ils ont dû, il a dû se faire chier à un moment, tu sais, à se dire, bah, tiens, j'imagine bien ce mec-là, se dire, tiens, je vais mettre ça, ça, ça. Bah, si tu regardes bien, il y a quatre images où c'est du porno. Ah, ensuite le reste c'est des Tu euh, T'as tout l'avérage en fait d'un jeune américain de 15 ans en fait, tu vois. Mmh. Et bon... c'est comme le coup de la bite en gros plan en fait. Hein. Ouais voilà. Et bah, regardez, oui c'est marrant, <laughs> cool. J'ai un peu de mal en fait. J'ai un peu de mal parce que c'est faussement dissimulé. Je veux dire, c'est... Et dès que t'as envie de t'investir un peu dans le film, bah, j'ai l'impression qu'il te dit va te faire foutre parce que je suis pas d'accord avec ses idées. <laughs> Donc ça m'a fait chier. Ça m'a fait un peu chier, tu vois. C'est de débranler aujourd'hui la, la surface que j'avais, tu vois, et de vous retrouver face à un truc en mode mec putain, enfin le discours pro Trump à la fin, machin et tout je suis... Je suis mitigé, tu vois. Je suis, je suis très très mitigé. Ça m'a fait un peu chier. Désolé, je reviens là-dessus. <laughs> mitigé, c'est le mot pour Watchmen. On va passer à la troisième, je pense, avec le prochain film qui est Sucker Punch. Tu as peur. Il ne faut pas. Pour atteindre ton paradis, laisse-toi aller. Ce que tu es en train d'imaginer, c'est un monde que tu contrôles. Que cherches-tu Un moyen de sortir. Je vais t'aider à te libérer. Il te faudra trouver cinq choses. La première est une carte. Ensuite le feu, puis un poignard et une clé. La cinquième chose est un mystère. Commence ton voyage. Il te libérera. C'est le seul moyen qu'on ait de sortir. Qui ne défend rien cède à n'importe quoi Sucker Punch sorti en 2011, écrit par Steve Shibuya et Zack Snyder, ce qui en fait son seul film dont il est au scénario. Et quel scénario, mes amis, <laughs> puisqu'on part tous ensemble dans les années 60, dans la pampa américaine, où la jeune baby doll interprétée par Emily Browning se retrouve enfermée contre son gré dans un asile psychiatrique. Elle va le pousser quatre autres filles dans son délire pour s'échapper de l'asile grâce à leur rêve magique où elles vont dégommer du zombie nazi et des shinobi de 3 mètres de haut. Selon Zack Snyder, Sucker Punch est son Alice au pays des merveilles avec des mitraillettes alors effectivement pas besoin d'être Lewis Carroll pour le traiter de gros bâtard mais c'est également un film qui fait la part belle à multiples clins d'œil visuels aux jeux vidéo et des écolières peu vêtues et ainsi que tous les fans de reprises musicales mp 3 le film a été démonté par la presse à sa sortie mais le public qui apprécie le film parle d'une auto-parodie qui n'a pas été comprise à la manière de Showgirls de Paul Verhoeven alors je me tourne vers Romain est-ce que c'est un film finalement féministe ou un gros trip de nerd macho qui <laughs> a Tiens. a ah, ah là là, les problèmes bah, je rebondis sur ce que tu disais Karim tout à l'heure euh, tu parlais de Watchmen en disant que Snyder mettait ses idéaux dedans alors que c'était une oeuvre qui ne se prêtait pas du tout à ça et là c'est bien parce que du coup juste après Watchmen il fait Sucker Punch où il n'y a rien pour le retenir et là <laughs> il part en couille totalement et se dit bah écoutez me casser les couilles, je vais faire mon truc, j'écris mon film j'ai vu Sucker Punch au cinéma en 2011 j'avais 16 ans quand tu as 16 ans, Sucker Punch est un film exceptionnel. Tu vois ce film qui est pseudo-profond, hyper joli, tu as des, des dragons, des zombies nazis, des robots, des plans séquences qui tuent du CGI, des meufs à poil, tu te dis, ce mec il me comprend. Ce mec il vit en moi. Donc moi à l'époque j'étais super hypé quand j'ai vu le film et je ne l'ai pas revu depuis. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu ce film et du coup c'était l'occasion de le revoir aujourd'hui. En, en Blu-ray du coup oh, En Blu-ray, en Blu-ray, quand même. Quand même, enfin. Oh. Est-ce que tu nous parlerais pas de ce, ce Blu-ray, justement, romain Tu avais ce Blu-ray, tu l'as regardé dans ton étagère pendant des années et tu l'as ouvert C'est tellement dommage qu'on n'ait pas la vidéo. Je, je me sens insulté ce soir. C'est <laughs> terrible. Donc en 2011, sort le film en Blu-ray et la Fnac, euh, pour l'anecdote, fait un coffret euh, collector. Euh, à plus de 100 balles avec un steelbook, la BO, un artbook, des posters des filles à poil. Évidemment, j'avais 16 ans, j'étais en mode, bah évidemment, ça va sur mon mur ça. Yes, la BO, euh, la BO surtout. Euh, donc bien. voilà, j'ai le coffret de la honte et avec la BO que j'ai réécouté du coup pour l'occasion aussi, avec que des reprises par Emily Browning et compagnie, c'est honteux. C'est honteux. C'est <laughs> level V Bref, <laughs> pose-toi une question. Imagine que les 100 et quelques balles que tu as investis dans ce coffret, à l'époque, tu les avais mis dans du bitcoin. <rire> Alors, <rire> mon, mon rapport au film, euh, du coup ça a été une faute, la faute, ouais, voilà, c'était une relecture en fait, parce que du coup ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, je me suis dit genre, peut-être que je vais kiffer, peut-être que c'est drôle, peut-être que ça garde un petit charme un peu fun, débile, peut-être que c'est du level de Resident Evil Afterlife, un peu con tu vois, dans le même genre de film, euh, non pas du tout. Pas du tout le, le coup de vieux est, euh, est, est terrible. Ce qui choque aux yeux c'est que je disais que Watchmen était très joli à regarder, Sucker Punch, qui est sorti deux ans après, ne l'est plus du tout. Tout le film euh, est quasiment quand CGI, en fait. Toutes les grosses séquences d'action, c'est sur, sur, sur du fond vert. Et c'est C'est ce qui annonce en fait le Schneider qu'on connaît euh, qu'on a connu récemment avec euh, Justice League, Man of Steel et compagnie, c'est ça bave, c'est de la PS4 euh, à fond, c'est très lisse il euh... y a une patte à l'écran qui est vraiment pas très très belle et à l'époque en plus c'était il y a 10 ans, c'est après un coup de jeu phénoménal et ce qui m'a choqué en priorité c'est que le film tente de te raconter une sorte d'histoire d'une fille qui tente de se retraiter dans, sa... dans, dans, dans son cerveau sur plusieurs niveaux, donc d'un coup elle est dans un, dans un asile, d'un coup elle est dans un cabaret ensuite ça part dans des machins de zombies nazis euh, bizarres et le montage ne t'aide absolument pas pour que tu te repères dans ce qui se passe en fait. Euh... Donc ils ont coupé un peu ça n'importe comment et qu'il y, y a un autre Montage hein, du coup qui, qui existe, mais ça t'aide pas du tout dans la fluidité de, de ce que vous raconter le film. En fait, Snyder a complètement oublié, je trouve, un sort, une sorte de, de lien, un fil conducteur euh, efficace, c'est quand même le, la base dans tout scénario en fait, hein, que les gens captent ce qui se passe. Mais non, il fait aucun effort et euh, le film ne t'aide pas du tout pour te prendre la main et tu te retrouves du coup dans des séquences montées n'importe comment. D'un coup, tu es dans un asile, quelqu'un arrive, hop, un cabaret. Et tu dis, ah, peut-être qu'il y a un truc, peut-être que ça va revenir plus tard. Et non, hop, un avion avec Scott Glenn qui te dit Bon, les filles, il y a un dragon mis des zombies. Allez hop, let's go. Et du coup, tu te retrouves un peu perdu. Le film te perd, tu dis C'est volontaire, mais en fait, non, jusqu'à la fin, ils ne font aucun effort. Et ça, je pense que quand tu es adolescent, quand tu es jeune et que tu, fais, tu, te fais, tu, tu réfléchis pas plus que ça à ce que tu regardes, c'est incroyable. Tu te dis c'est deep, c'est profond. Il y a un truc, tu vois, c'est un, un auteur en face de toi. Mais non. Et je pense que en fait c'est juste un qui a tenté de faire un truc un peu pseudo profond, philosophe, euh, en mode ouais le pouvoir il est en toi, tout ça, bah toi. Mais ça va nulle part. Je sais pas pour vous comment vous l'avez interprété. Et moi je comprends toujours pas où veut aller euh, ce film. Tout le film, ça reste quand même. On dit à l'héroïne donc Emily Browning, bats toi tu peux le faire elle se fait le à la fin. Voilà. Y euh, ça fait elle coucher. y croit. C'est comme ça, ça. qu'elle gagne sa liberté. C'est ça, ouais, voilà. Je comprends la métaphore, mais elle est pourrie, la métaphore. Et, et on retrouve, du coup, tout ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est là où Snyder commence vraiment à sombrer dans son côté américain beauf profond. Dès qu'il y a un coup de feu, ça en ralentit avec un gros plan sur l'arme. À un moment, j'ai regardé, elles ont vraiment toutes... Elles ont toutes des armes différentes, quoi. Ah, bah oui. Des ah, mais il y a, y a, un nombre de guns dans ce film qui est exceptionnel. Je, je, comprends la NRA, tu vois, sur la casquette dont tu parlais Marvin tout à l'heure. <laughs> Karim, tu parlais de, du respect des cultures tout à l'heure. Euh, je te laisserai de je te euh, développer il bon, y en a pas bah. <rire> voilà <rire> pas besoin de développer on je peux développer mais en vrai c'est juste qu'il que il y en a pas enfin je te laisse continuer mais non, non non mais pour moi il m'a rendu triste ce film c'est tu as vrai. tout qui passe la, la culture donc la, la seconde guerre mondiale le japon la sci-fi les robots tout tout, tout tout prend cher en fait il chie partout euh, <laughs> il, il, il passe il vomit une époque euh, il vomit dessus euh, c'est assez honteux et en fait on dirait vraiment une sorte de fan film gros budget fait pour un adolescent qui a un peu d'argent. Euh, c'est ce que c'est mmh. ce en fait. Oui, voilà. Et en fait, je suis tombé de très très haut quand j'ai quand, quand vu le film. Je en mode Oh merde, oh les 100 balles, oh merde. <rire> <rire> Mais t'es quand même le seul mec ici qui a mis plus de 100 balles dans coeur Punch quand même. C'est respectable C'est bah, pas ta faute, c'est marketing. Ils m'ont eu. Bien voilà, bien merci beaucoup. Je me, je me sens mal. Je... Après, c'est un beau coffret, il est joli sur l'étage. <laughs> Mais euh, d'un point de vue aussi peut-être plus sérieux, c'est vrai qu'on retrouve vraiment l'obsession de la violence dont tu parlais, euh, Marine, tout à l'heure, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et quand tu commences à capter ce genre de détails, quand tu es plus dans l'optique de mater un film de grand spectacle et que tu veux vraiment analyser le, le bordel, tu vois vraiment les dérives de Snyder dans ce film. Je trouve que c'est vraiment le film qui a amplifié le... Euh, ce qu'il mettait en place avant avec tout ça. Ce qui en fait son film le plus personnel finalement. Ah ah voilà, finalement, et, clairement. et ça en dit super long en fait sur le mec. Tu te dis, mais quel genre de mec en fait c'est mis à écrire un scénario comme ça et c'est dit, let's go. Vas-y, <laughs> on, on produit, ça va le faire, ça va passer. Bon, le respect euh, de, de la femme, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, bien sûr, parce que voilà, je reste un mec. Mais euh, les costumes, frère, on dirait des gamines en cosplay en convention, tu vois. Le mec, il était au Comic Con, il a fait genre, oh putain, toi là-bas. exactement ça, c'est exactement euh, Comic Con. C'est ouais, flippant le message que renvoie ce film et l'image qu'il qui envoie, quoi. J'en profite justement que tu parles de ça pour, pour dire une brève de presse, de télérama. Qui parlait de, de *Sucker Punch* elle est quand même, euh, elle est, elle est euh, succulente. Son histoire de gogo danseuse qui s'évadent pour oublier leur chienne de vie dans un monde virtuel apocalyptique et paramilitaire est aussi abracadabrante épuisante Franchement, ils sont cool en vrai. En fait. Ils ont été très gentils. Où, hein, je le quand même. Ouais. <laughs> euh, euh, eux, ils sont moins sanguins que, que nous et surtout moi parce que moi je sais pas euh, réagir comme ça. Moi je réagis très à chaud et du coup le film je l'ai vu quand même hier matin et ça me trotte dans la tête depuis hier et je me dis mais, mais qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que où, où va ouais, ce film regarder un matin déjà c'est particulier. Déjà ouais. ah, c'est chaud. C'était pas une bonne idée. Mais si t'as un cache converteur ou quoi pas loin, essaye de demander combien ça. Combien ça vaut. <laughs> Non, il faut qu'on parle de la musique aussi parce qu'il a tenté un truc avec les reprises. Euh, et je trouve qu'il y en a une ou deux qui sont. Non, mec, tu peux pas dire ça. Pour l'amour de la dire. musique, tu je, peux pas vais ça, dire. Je, <laughs> je vais le dire. Je le dis. Le medley de reprise de Queen, incroyable quand même. <laughs> incroyable. Là, tutorial, incroyable. Euh, moi, je vais mettre un droit de veto sur un morceau. Sur euh, qui. Alors, c'est pas parce que c'est Bibreling qui chante, mais la reprise de Army of Me de Björk. Euh, si t'écoutes les Ecos derrière. Euh, Mais non, non c'est Björk qui la chante Elle est bien là, la... oui Ok, bah, je savais pas en fait, pour moi c'était C'est Björk qui <laughs> la chante Army of Me oh, En fait <laughs> c'est juste la bonne version. <laughs> c'est pour ça en fait, il a pris la vraie Non, non, non bah, c Ah ouais elle est géniale, euh... putain cette chanson Bah oui, C'est C'est ouais, le seul, seul qui est très... Et juste <laughs> écouter les musiciens derrière, le morceau en total il fait mmh. 9 minutes quand tu le prends sur... Et mmh. il est magique donc voilà, c'était juste pour. C'est le seul truc positif que j'irais du film, en fait. Alors du coup, maintenant, tu sais que. Tu sais que Karim, un bah, jour, il défendra Bohemian Rhapsody en disant la BO est géniale. Bah oui, oui. Ah là, là, <laughs> là, là, là. Non, c'est pas vrai. Non, par contre, <laughs> je voudrais quand même euh, dire quand même un peu du bien du film parce que il faut tenter, hein. Faut. 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 Voilà. Je. Voilà, je me sens quand même obligé de dire quelque chose. Emily Browning, Vanessa euh, Jens, Abby Cornish euh, et Oscar Isaac, qui commençaient à monter à l'époque, ils ont eu ce scénario et je trouve qu'ils ont vraiment tout donné. Euh. <laughs> Pour ce qu'ils ont eu, voilà. Ah, vraiment chercher. <laughs> je, je ne dis pas qu'ils ont été bons. Je ne dis pas qu'ils ont oh, bien joué. Défaite. Je ne dis pas que leur prestation oh, est incroyable. Je l'assume. Je pense que les mecs se sont retrouvés face à ce, oh, ce truc et qu'ils se sont dit, on sait pas où ça va, mais on est là, donc bon, bah, <laughs> voilà, hein, on va faire un truc. Ils s'en sortent plutôt pas dégueux, je trouve des fois. Il n'y a pas beaucoup d'émotion là-dedans. Tu vois qu'ils sont un peu en mode, qu'est-ce qu'on fait là Mais ça peut se défendre je trouve c'est un des trucs qui m'a fait euh, qui m'a fait dire ah OK il se défend c'est pas mal voilà je presse F to pay respect pour euh, Carla euh, Gugino <laughs> qui est avec son accent russe dégueulasse <rire> <rire> et c'est de s'en sortir aussi malgré tout. C'est quand même un naufrage. Mais non, mais le casting, c'est un naufrage. C'est tous ceux qui sont là. Ah, je suis là. Je suis, mais au secours. <laughs> c'est un Jonathan naufrage. John qui passe par là, l'air de rien entre deux, deux épisodes de Mad Men il est là. Bon bah écoutez, faut que je fasse le mec qui doit faire la lobotomisation. Hein. Bon bah voilà, je suis là. Qu'est-ce que ouais, mais John Hamm, qui a un beaucoup plus gros rôle dans le, dans la version étendue. Il joue et le high roller. Ils ont laissé la scène où ils se rencontrent en fait dans la version étendue. C'est ouais. ça, ils se rencontrent, il y a une petite discussion, c'est une petite séquence de deux minutes qui rapporte pas non plus grand-chose. Encore, encore une belle version étendue, on en avait besoin. <laughs> ils aiment pour, bien ça. Pour prendre fois. la subtilité de l'histoire. Mais en effet, c'est un naufrage de casting, mais c'est pas eux qui se coulent, c'est vraiment Schneider qui les a... enfin comment, comment tu vends ça à ton acteur Donc toi tu es une fille, tu es folle, tu vas te tu vas partir en couille, dans ta tête tu vas te faire un cabaret et dans ta tête, dans ce cabaret tu vas te faire un monde bizarre où tu vas combattre des dragons avec tes potes. Il y a aussi un vieux mentor qui sera là que dans tes rêves. Et puis aussi, tu vas peut-être te faire le botomiser. Bon, Émilie, Émilie, concentre-toi, bordel. Émilie, tu vas me faire Moulin Rouge et tu vas me faire Call en même temps, ok Vas-y, moteur, action un Moulin Rouge qui est cité comme une influence de Snyder dans, dans ce mmh, cas de... Quelque part, c'était voilà. quoi. Ah bah, c'est à base Luhrmann qui a pété un plomb. Hein, et... Je me mets à leur place et je me dis, mais. Mais les pauvres Merci Romain en tout cas de, de toute cette euh, tirade envers, euh, envers euh, Circle Punch et cette haine finalement un peu refoulée parce que t'as quand même kiffé quand t'avais... 10 euh, <laughs> euh, ans. ans de ma vie 10 ans de ma vie 10 ans Mais rappelle-toi que t'as aimé à 16 ans c'est l'âge mental de Snyder à 20 ans. <rire> <rire> Eh, Peut-être qu'il va nous sortir un truc bien à 80 ans. Hein, assez... mmh. Par contre, je pense que si quelqu'un de plus de 25 ans vous dit Mon film préféré, c'est Sucker Punch, euh... il y a un potentiel de psychopathe. Ça, c'est tout ah. le problème du public de Snyder en fait. Hein. C'est que les mecs, ils ont 35-40 ans, tu vois. Ah. Il l'a dit, il assumera, il assumera. Twitter, faites votre job. <laughs> Moi, je me désolidarise complètement de ce qu'il a. Hâte, Marvin Montes, allez-y. <laughs> Manu, Manu, je, je, je t'ai pas entendu euh, pendant tout là. T'as, as rigolé, t'as fumé, mais as pas, mm -hmm. euh, t'as pas participé au débat un petit peu de. Sucker Punch! Non, c'est vrai. Est-ce que tu fais partie vrai. de ce public de 35-40 ans qui, qui admire le style de, de Zack Snyder <laughs> sur Sucker Punch? C'est tellement sale comme ouais. attaque visuelle. Le vissu, mec, ça. comme il me piège. Alors, déjà, j'ai que 34 ans pour l'instant. Ah, bon, ça va. Alors, tu vas me respecter, va. s'il te plaît. Ah. Ça va. Mais. Euh, Encore un an, c'est bon. Moi, j'adore ce film pour toutes les raisons que Romain dit. C'est-à-dire que c'est... Là, on est sur quelque chose d'inoffensif. C'est un... Snyder qui va pas adapter Alors, quelque chose à lui dans son... Enfin, oh, quelque chose qui lui appartient oh, pas. Oh, 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 oh. C'est... Euh, okay. il, il fait son truc à lui et à la rigueur, bah, il fait ce qu'il veut avec, euh, avec son... J'ai pas compris. Peut-être que vous avez interprété de façon dégueulasse ce que j'ai dit. <laughs> Complètement. Mais, euh, à le <laughs> Grave. Un petit peu. <laughs> continue, continue. Ah, est... Toujours est que... T'es enregistré, t'inquiète. Toi, bien En fait, quand je... <laughs> quand je me retrouve devant ce film, je vois Zack Snyder qui essaye de... En effet, d'essayer moitié de faire une parodie de lui-même/satire slash euh, satire de la société avec euh, qui va nous lancer des grands discours sur l'image de la femme euh, dès le début du film et il se prend tellement au sérieux en essayant de se parodier de lui-même qu'il fait le truc qui est le plus pur lui-même qui soit. <laughs> et, et, et au final ça devient un film de Snyder premier degré. Et quand tu arrives devant ce spectacle, moi je sais pas, je ne peux qu'apprécier en fait. Je trouve que c'est un clip de deux heures. Alors c'est un peu plus long quand même, hein, l'Extended Cut. Première fois que je la voyais aujourd'hui et je me suis un peu plus fait chier du coup. Ouais. Euh, mais sinon, ça invente un genre unique à ce film <laughs> que je qualifierais de superficiel <laughs> profond. C'est euh, le film qui a l'impression d'être euh, profond pour un adolescent, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Et c'est complètement symbolisé par le Joker, tu sais, qui dit euh, We live in a society quoi. En fait, c'est complètement exactement. Long, là, ouais. avec <laughs> de mots, quoi. Et avec des, ça va jusqu'à nous lâcher un Scott Glenn qui est euh, typiquement dans le rôle de Scott Glenn qui nous lâche des phrases, des grandes phrases tout le temps, <laughs> qui n'ont pas de sens ou qui ont un sens, mais Jamais de contexte. Il fait des phrases aléatoires et puis il s'en va. Voilà, c'est un, un générateur de Scott Glenn. C'est une IA Scott Glenn qui balance des phrases. Je trouve que c'est un concept, quoi. Ça, ça, ça marche ouais. bien. À côté, bah je, voilà, ça en balance partout. Je, je trouve que c'est un peu euh, un, un déluge d'influence euh, à la Ready Player One, mais sans aller briser des licences qui existent. Arrête. Euh... Et du coup, ça me fait moins mal. OK. D'accord. Voilà. Moi j'aime bien. Franchement, c'est un plaisir de le revoir euh, une fois tous les 2-3 ans. Quoi. Du ah, coup, ça fait oh, deux, quoi. Fois, euh, deux fois, deux fois qu'on dit que c'est un film où Snyder il s'auto-parodie, mais je pense vraiment pas qu'il était conscient qu'il faisait une parodie. Je trouve que dire qu'il se parodie, c'est un peu l'excuse, tu vois. Euh... Ouais. En fait, c'est justifié assez vite, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que Snyder, c'est un à la base, c'est un publicitaire, quoi. Avant d'être un réalisateur, c'est un mec qui sort de chez Propaganda, de chez Believe Media. On peut retrouver ses vieilles pubs. Hein. C'est toujours un peu rigolo. Il y a une pub pour une bière polonaise avec des officiers nazis qui s'enjaillent. quelque part. C'était déjà signé quoi. <laughs> <laughs> euh... C'est vrai, ça se trouve sur Culture Pub si vous voulez, il y a pas de problème. Et donc en fait, ce Girl Punch, c'est ça. C'est euh, c'est c'est le la, son espèce d'amour de l'esthétique un peu déviante. Euh, ce truc euh, j'aime le grotesque, j'aime les j'aime cette imagerie un peu pop là. C'est le mot un peu fourre-tout. Euh, le je suis le réalisateur geek. En fait, je pense vraiment qu'il s'est pris au sérieux et qu'il a complètement embrasé l'espèce d'aura qu'il commençait à avoir à ce moment-là quoi. D'ailleurs que c'est ça, quoi. C il a fait son fantasme un peu de geek à lui, quoi. Et du coup, en faisant ça, bah, il mêle tout ce qui, tout ce qui peut, quoi. Il, tu vois, t'as de l'héroïque fantasy, euh, comme tu disais, du cyberpunk, euh, de la science fiction, des zombies nazis. Le tout sans véritable cohérence scénaristique. Après, quelque part, est-ce que le film en avait besoin? Est-ce qu'il aurait été mieux avec? Oh, Je suis même pas sûr, quoi. Le seul problème, c'est qu'encore une fois, c'est ce film-là qui va complètement te permettre de jauger de ton acceptation ou pas de l'imagerie Snyder, quoi. Parce que tu trouveras pas plus pur en termes d'imagerie Snyder que Sucker Punch, quoi. Tout est bâti dans ce sens-là. Euh, mmh. en, donc, tu vois, avec les fonds verts, avec les looks des personnages. Parce qu'en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que depuis tout à l'heure, vous parlez de la sexualisation de la femme et tout ça, tout ça, quoi. Mais le truc, c'est que, en théorie, il voudrait les rendre sexy et belles, tu vois, ces, ces héroïnes. Mais il y arrive même pas. Euh, il n'y arrive même pas, quoi, tu vois. Je veux dire, euh, non, ça va. Je qu'il qu les filme comme de la bière, en fait. Bah, hein. non, bah, moi, je pense surtout <laughs> qu'un qu gros viriliste comme lui, parce qu'il l'est, il se réclame un peu d'une imagerie viriliste, tu vois. Enfin, bah, il comprend pas. Du coup, pour lui, une femme belle, c'est quoi Bah, elle a une jupe euh, qui arrive euh, là, quoi. Voilà. Elle a des jambes elle a des jambes. Ouais, elle a des jambes Elle a des jambes, elle a des jambes, elle ressemble un peu à une enfance, un peu déviant, tu vois. En fait, il n'y a, a que ça, quoi. Il n'y a, a que ça. Et en fait, c'est un pur exercice esthétique qui flirte vraiment euh, la plupart du temps avec un espèce de mauvais goût. Voilà, je fais des grands guillemets parce que ça ne veut pas dire grand chose. Et c'est ce qui est rebutant à mon sens chez lui, quoi. C'est cette espèce de d'image de, de réalisateur geek. Euh voilà, qui plaît à un certain public que je comprends pas. Et ça me rappelle euh, dans le premier épisode, Manu disait que les gens euh, qui défendaient Ready Player One, euh, il aurait du mal à être amis avec eux, tu vois. Et moi c'est pareil quand je vois les quand je vois les, les, les fans de Snyder hardcore, je me dis que genre, il faudrait pas que je passe trop de temps avec eux quand même. <laughs> ah c'est bien la visio putain. <laughs> non, non, et... j'en ai des potes fans de Snyder et je me pose des questions de temps en temps. Et juste pour revenir à cette histoire justement de Cette histoire d'autoparodie, en tout cas lui il avait il avait dit euh, en interview assez vite parce qu'il bon il avait vu le déferlement un peu de critique... Euh, en tout cas, il était accusé hein, la plupart du temps de misogynie, quoi. Et, euh, et lui disait mais vous comprenez en fait c'est une réflexion, euh, c'est une réflexion extrêmement profonde euh, sur ces femmes qui s'exhibent, euh, voilà, qui, qui exhibent un peu leur vertu. Et les hommes sont dans le noir autour de la scène. Et nous, nous sommes les hommes dans le noir. Ouais, ok. Ah, Waouh. Wow. Ouais, non mais c'est ce qu'il a dit. Hein, J'y peux rien, moi. Euh, c'est certainement dans les bonus d'ailleurs du coffret DVD de Romain. <laughs> euh, <et, et, rire> J'espère que c'est pas le journaliste de Télérama qui avait posé cette question. Parce non. Que... Non, je pense pas. Je pense pas pas interviewé je pense mais ouais du coup voilà tu vois c est, c est, c est, c est, en fait ça illustre cette phrase là j'ai même pas besoin d'en parler beaucoup plus ça illustre un peu la bêtise du truc quoi la totale immaturité du propos quoi c'est hallucinant Moi, je trouve que c'est un exercice de style hallucinant alors après c'est pas le plus désagréable et c'est pas le plus néfaste je pense des films de sa filmo. Euh, on y reviendra après mais, euh, mais c'est vraiment <laughs> euh, c'est vraiment totalement indigeste c'est 2h20 de de d'effets de, de, spéciaux qui sont déjà datés au moment où on les fait quoi tu vois c'est ça le problème quoi ouais. c'est qu'en plus c'est cette histoire du fond vert intégral euh, heureusement qu'on est en train d'en sortir quand même parce que c'est parce que compliqué quoi tu vois et en plus de ça il y a un autre truc c'est que Snyder il a plusieurs euh, strates du cinéma qui comprend pas dire que déjà générer de l'émotion bon, il sait pas faire hein. donc ça bon bah admettons hein, ça arrive par contre pour un mec qui qui, euh, qui concentre autant son propos sur l'action j'ai quand même l'impression qu'il s'est pas vraiment filmé de l'action, tu veux hein? Parce que c'est quoi ça La seule manière qu'il a de rendre des, de, de de signifier la, la supériorité d'un héros à l'écran, parce que son obsession à lui, c'est le mouvement, quoi. C'est à dire que voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est le le personnage principal où les, perso les personnages un peu forts, un peu supérieurs, bougent différemment des autres il y a que ça qui fonctionne en fait il y a que ça enfin qui fonctionne non non il y a que ça qu'il essaye de faire fonctionner quoi il y a que c'est quoi c'est des ralentis c'est des accélérés t'as aussi le mélange des deux ça s'appelle le speed ramping tu sais c'est quand te... tu commences par un ralenti puis après d'un coup tu réaccélères, tu fais des zooms des des zooms enfin c'est voilà et il y a que ça en fait pour signifier l'action et en fait c'est hyper pauvre en termes de mise en scène tu vois parce que c'est pas il ouais, y a absolument rien d'intéressant à... à signifier ça comme ça quoi et donc, euh, voilà, euh, comme on l'a dit, hein, ça dure euh, 2h20, c'est. C'est long. C'est déviant, euh, c'est. Euh... C'est même pas un peu gore. Ouais, même, même pour le coup, ça. ça... T'as rien à manger, en fait. C'est un film qui pourrait être très généreux si au moins il avait assumé et il y aurait eu plus de, de sang, de violence. C'est un truc vraiment bien dark, mais non, t'as même pas un truc à... Cou... Pas un truc croustillant, en fait, dans le lot. C'est ouais. ça qui est... qui est décevant, quoi. Et c'est pseudo-geek pour les nuls, quoi. Donc, quelque part, c'est un peu puant, hein, je trouve, comme truc, quoi. Enfin, je... Voilà. Mais bon, c'est théorisé comme étant son film le plus personnel, ça l'est certainement. Euh, et donc bon bah c'est à se demander en fait pourquoi ce mec là, euh, avec cette idéologie, cette imagerie là se Retrouve régulièrement euh, aux commandes de certains projets. Je me dis quand même qu'il y a une petite erreur d'estimation euh, de la part de certains studios. Quoi. Il y a quand même un pseudo hommage à King Kong. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai que oui, oui, on en avait parlé en... <laughs> enfin bon, avant. Des... Il y a des citations à King Kong, mais je vais les garder pour plus tard. Euh... <rire> <rire> non, oh, non. Euh, Vas-y, dis-la. Dis ah si vas <laughs> par contre, j'aime beaucoup les liaisons entre chaque film de ce podcast. C'est qu'on commence par le premier, on dit. Il a fait pire, ça arrive, on arrive au deuxième, ça c'est de la merde, mais il a encore fait pire, ça arrive derrière. C'est ça le qui est climax. Ouais. <laughs> un truc qui sait pas faire non plus ça d'ailleurs mais qu'on sait faire dans un podcast c'est quand même triste exact. merde ouais, tu vois quelque part on est des meilleurs monteurs et découpeurs que, que Snyder les roquettes quoi <laughs> carrément est-ce que t'as un truc à ajouter sur le film euh, en fait je veux, le film je l'ai pas aimé je vais pas redire ce que tout le monde a dit le film je l'ai trouvé très vexant parce qu'il t'insulte même avec son titre euh, <laughs> je, je, je vous garante je vous garantis en fait que à prendre ce punch à bientôt 36 ans euh, tu te sens juste insulté parce que euh, tu sens qu'il a volontairement fait pour des gamins de 16 ans qui avaient pas la lecture et que si t'as un peu de regret, tu vas juste trouver ça abject et c'est c'est un exercice qui est compliqué parce qu'en plus de chiffrer ta culture parce qu'il la maîtrise pas euh, tout son tout, tout ce qu'il essaye de faire en gros, son propos par exemple sur les femmes qu'il a essayé d'appuyer derrière en mode euh, Voilà, moi ce que je veux dénoncer euh, c'est l'hypersexualisation et vous bande de bof, vous aimez euh, les écolières avec des katanas, euh, voilà ce que ça fait. J'ai l'impression que c'est ton baron wow. qui t'a gaulé en train de boire des ouais. bières à 14h sur la place du village. Sauf que là, t'as l'impression qu'il parle de lui quoi. Ouais, mais moi ce qui m'a énervé surtout c'est que c'est l'indigestion. C'est que le mec en fait, euh, il, il te force jusqu'à ce que tu gerbes, genre t'as compris, t'as compris, t'as compris. Déjà je t'ai pas d'accord, deux, me force pas. Donc euh, non, c'est juste un mauvais moment et puis c'est toujours pareil, je veux dire. Je résoudre tous les problèmes de la vie euh, quand t'as un problème avec la religion et machin et tout par le sexe et la violence. Surtout quand c'est distribué volontairement pour un public de niche. Mmh. Euh, je trouvais ça un peu moyen. En vrai, Sucker Punch, je peux comprendre qu'on le prenne vraiment comme un full divertissement. Ouais, là, je l'ai pas pris comme ça. Je sais pas pourquoi. Le film... Euh... Parce que si, t'as la scène quand elle bascule dans le théâtre, là... Ou t'as l'autre là, sa pote Sweet Pete ou je sais plus quoi, qui balance. Enfin, euh, il y a Snyder il y a, y a qui parle à travers l'actrice, genre en mode ouais c'est bon, le coup de l'infirmière, enfin le coup de la folle je peux comprendre, mais pourquoi elle est habillée en écolière avec un katana C'est en mode euh, ok, merci réalisateur, <laughs> j'ai compris. C'est une fiction, c'est pas bien, voilà. Et donc ouais, franchement, c'est vraiment c'est indigeste. Et dernier petit point qui m'a vraiment vénère, c'est que enfin pardon pas moins que ça mais c'est genre dans la première scène de baston avec ces espèces de de grands samouraïs le mec il a fait en fait tout ce que je déteste parce que j'aime bien la culture nippone mais il a fait un combat contre la chinopon c'est-à-dire il a mis tout ce qui était asiatique c'est un combat brochet de fromage mais tellement <laughs> tu sais t'as un grand samouraï avec un grand kabuto toi tu sais pas mais je comprends un grand masque de tengu t'inquiète ça te parle et derrière il arrive en mode non moi je suis un américain je lui mets une gatling ah, c'est bon va niquer ta mère <laughs> c'est et tu vois ça c'est ouais j's... Il y aurait eu de la parodie, ça aurait été fait sur, avec un ton de parodie, oh franchement à 100%. Mets-moi des nazis zombies, y'a pas de problème. Mais là, non, c'est beaucoup trop sérieux. C'est beaucoup, trop... on dirait Yannick Noël à 10 ans qui te disait euh, <laughs> bonjour. Il faut être écologique, non, mais euh, qu'il. lance inattendu. Il l'a placé. <laughs> Bien sûr, il a réussi à le bien, sûr, oh bien bon. vu dans le oh point bon. Yannick Noah. Allez. Je n'aime pas Yannick Noah. <laughs> voilà, ça calme tout le monde. Personnalité préférée des Français, le mec qui a débarqué dans un JT à TF1 en mode l'écologie c'est bien et le mec il était là pour promouvoir le fait qu'il lançait une marque de gel, une, des produits de salle de bain, une marque de gel douche, était <laughs> en mode mais mec. Mais mec, et le pire c'est que ça marche. Mais Zack Snyder, il fait pareil. Tu vois, le pire c'est que ça marche. C'est La meilleure comparaison qu'on pouvait faire. Merci. Mais oui. Mais oui. <laughs> incroyable. Franchement, tu peux faire un petit teasing, un petit teaser, Luc avec euh... <rire> <rire> imprévisible, mais précis. Le photo tu sais Yannick Noah, Zack Snyder. Quel point? Oh, euh... Mec, je suis sûrement le plus âgé, là, je fais des références de vieux, voilà. <laughs> non, c'est bien, c'est précis, c'est chirurgique. Merci, merci beaucoup Karim. Donc, Sucker Punch, le Yannick Noah de Zack Snyder. Voilà. Si vous cherchez une édition euh, collector de Sucker Punch, on en a une à vendre. <rire> 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 Romain tu la vois à combien euh, Le steelbook est devenu collector depuis on va dire <laughs> Allez, On peut négocier vous m'envoyez un DM sur Twitter on, on mec, en Attends quelques semaines encore Que la Snyder Cut soit bien Bien a euh, en place Et je pense qu'il y a des gens qui ouais, te feront cher On parlait du bitcoin tout à l'heure mais t'inquiète niveau investissement <laughs> vu, mec. En tout cas merci beaucoup Pour, pour ces analyses de Sucker Punch Même si elle ne la méritait pas On va passer maintenant à Batman V Superman L'aube de la justice Ce bat-justicier régner la terreur comme un despote. C'est pas à vous de décider ce qui est bien ou mal. Tout le monde s'en fout que Clark Kent s'attaque à Batman. Ce symbole, c'est important. C'est tout ce qui reste à certains. C'est ce qui leur donne de l'espoir. Les hommes détestent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Soit leur héros, Clark. Soit leur ange. Leur monument. Soit tout ce dont ils ont besoin, disons. Ne sois rien de tout ça. Ne rien à ce Batman v Superman, L'oup de la Justice, sorti en 2016, écrit par Chris Terrio et David S. Goyer. Batman v Superman fait suite à Man of Steel, sorti en 2013, qui nous racontait les origines du plus grand des super-héros américains, Superman. Batman v Superman commence là où Man of Steel s'est arrêté, laissant la ville de Metropolis détruite par Superman, interprété par Henry Cavill lors de son combat contre le général Zod. Deux ans après cette bataille, Superman est accusé de crime contre l'humanité, contre son gré, et Batman, interprété par Ben Affleck, veut lui péter sa gueule jusqu'au moment où il se rend compte que lui et Superman ont tous les deux une maman qui s'appelle Martha et que leur bagarre est en fait un énorme complot monté en épingle par Lex Luthor, interprété par Jesse Eisenberg. Voilà un scénario qui n'a... Aucun putain de sens Projet de film datant du début des années 2000, on se souvient que c'était le réalisateur Wolfgang Petersen qui était sur le projet à la base, mais oublié suite au crash de Superman Returns de Bryan Singer en 2006. Batman v Superman a été remis sur les rails suite au succès de Man of Steel réalisé par notre ami Zachary Snyder. Batman v Superman a été un événement à sa sortie puisque c'est la première fois qu'on voyait deux gros super-héros se mettre sur la gueule à l'écran un mois avant Captain America Civil War, le film a été un succès public plutôt que critique puisqu'il a été assez décrié pour beaucoup de raisons. C'est pour ça qu'il est actuellement dans notre shit list et je vais me tourner vers Manu. Manu, pourquoi Batman v Superman ce soir on en a parlé un peu déjà, euh, Zack Snyder, j'aime bien tant qu'il impose pas ses idées. J'étais chaud en 2013 euh, de, de la bande-annonce de, vous savez, la, ter la bande-annonce Terence Malik de Man of Steel, euh, <laughs> le truc mensonger qu'on nous avait lâché quelques mois avant le film. J'étais chaud quand un pote m'avait dit, tu vas voir, qu'il avait vu en avant-première, tu vas voir, tu vas adorer le film et tout. Et là, je suis arrivé au ciné et, et je suis sorti déconfit parce que la vision de Superman, la vision christique imposée par Snyder déjà, qui va nous chier jusqu'à jusqu sa Snyder cut, hein, la résurrection, elle est pas là et et le l'image de Superman est, euh, qui est donnée à, à travers le film me, me débectait. Et là, un film qui a mis trois ans à arriver, parce que dès Man of Steel, en fait, dès la Comic Con après Man of Steel, il teasait Batman vs Superman. Et il est finalement sorti qu'en 2016. Donc, une longue mise en place hein, pour un univers partagé. Ils en ont chié euh, d'ici avant de se craquer complètement, mais ils en ont chié quand même à essayer de le sortir, ce film. Enfin, ce film c'est cet univers. Ajouter à l'image de Superman, l'image de Batman <laughs> et de, qui, qui est projetée par ce film. Et là, je comprends qu'il a absolument rien compris euh, au matériel original. C'est un film pour les fans d'Injustice. Mais Injustice n'a rien à voir avec les comics. C'est un délire de jeux vidéo. Euh, on en a fait des comics derrière, mais allez pas euh, essayer d'imaginer que ça, que quoi que ce soit de représentatif de ce que peut être l'univers d'ici en comics. Le film déjà était pas aidé par sa version ciné, euh, qui est une catastrophe. Euh... Ah ben c'est une catastrophe industrielle. Faut qu'on en, on en parle de, de ce film-là parce que je pense que si on, un jour on parle de la Snyder Cut, on aura le même sujet. Euh, Warner Bros a vraiment, euh, d'autant plus niqué euh, l'univers de Snyder que lui-même. a à louper euh, l'esprit de ses personnages et c'est clair qu'à côté de l'extended cut, enfin de la director's cut de BVS, euh, la version ciné c'est un scandale. La version euh, director's cut après vient sauver les deux premières heures du film sauf qu'il en fait trois <laughs> et qu'il euh, souffre d'un dernier tiers qui ne veut rien dire. Euh, dommage euh, dommage étalé sans sans jamais chercher à les comprendre euh, à l'univers des comics et euh, comme je disais un Batman qui est euh, qui passe totalement à côté de ce que peut être Batman qui a un, une vision post 11 septembre imposée au personnage euh, de traumatisme de de l'étranger qui vient saccager ta ville et mais euh, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment un syndrome post-En septembre qui est appliqué à Batman, et c'est totalement méprendre. Enfin, le, le plan de l'excluteur dans le film euh, se base totalement sur une mal compréhension totale des deux personnages et la vision d'ailleurs. Euh je pense que la Snyder Cut récemment nous a confirmé que la vision de, de Superman est encore pire que ce que je pensais, parce qu'en fait, pour lui, euh, t'enlèves Lois Lane de l'équation et Superman vrille, quoi. C'est vraiment injustice, en l'occurrence, du coup. Ouais, je trouve que visuellement, il a essayé d'apporter quelque chose au genre de super-héros et visuellement, il l'a fait, je pense. Mais thématiquement, il passe totalement à côté de, du propos de base et, euh, et il donne quelque chose de malsain, je pense, dans. Euh, dans sa, dans sa vision des choses, dans sa vision du monde. Moi, c'est là que le côté euh, vision de Snyder que vous critiquez depuis euh, Watchmen tout à l'heure, euh, je la sens d'autant plus imposée et me fait d'autant plus peur en fait. Du coup, ce film me laisse perplexe parce que je l'ai revu en, en réalité pour la première fois la semaine dernière. Euh, avant la Snyder Cut, j'ai fait l'Extended Cut de BVS. C'est là que j'ai découvert qu'elle sauvait vraiment euh, beaucoup l'intrigue principale. Euh, L'intrigue enquête, Lois Lane, tout ça, et beaucoup de choses sont bien mieux expliquées dans l'Extended Cut. C'est pour ça que je, je considère que il sa vision a été saccagée. J'aime pas sa vision, mais sa vision a été saccagée. Donc c'est doublement dommage, et je peux comprendre les gens qui apprécient sa vision, qui voulaient la voir concrétisée. À la rigueur, on en reparlera plus tard dans un, pour un Snyder Cut, mais, mais pourquoi pas il y avait quelque chose de solide derrière éventuellement c'est chargé comme C'est comme, comme, comme... Euh, Marvin est-ce que tu peux appuyer un petit peu les, les propos de, de Manu ouais 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 je peux bien les appuyer oui. euh... <laughs> non non dans le sens où déjà Manu tu disais qu'il passait complètement à, à côté du propos et qu'il comprenait pas euh, l'essence en gros de ces espèces de figures mythologiques qu'il traite moi je pense même que ça va plus loin je pense qu'il les déteste profondément quoi euh, non mais vraiment quoi tu vois le, cette manière d'essayer de, d'introduire de, le nouveau Superman voilà selon ces espèces d'obsessions christiques à lui ça prouve quelque chose quand même d'assez c'est plutôt clair quoi dans, dans, dans l'incompréhension du personnage et en fait en fait quelque part ils sont et c'est encore plus littéral dans BVS hein, parce que cette fois-ci on a la remise en cause tu vois de la légitimité du du héros du dieu parce que c'est carrément des divinités maintenant hein. il est presque conscient il y a un truc un peu métal là dedans dans le fait que ce soit de vraies divinités pour certaines personnes là t'as carrément des mecs qui vont aller taguer des statues c'est marqué « faux dieu ». C'est tellement premier degré, euh, c'est assez catastrophique quoi. Et en plus ce qui est assez rigolo, c'est que le film commence quand même en tant qu'objet filmique sur un espèce d'exercice de damage control, parce que la première chose qu'on a reproché à Snyder à la fin de Man of Steel, c'est quand même de détruire une ville possiblement pleine d'innocents sans qu'on s'en foute totalement. Et en fait la, la, la première chose qui se passe hein, dans le plot de BVS, c'est que du coup Batman, tu vois, il était un peu pris dans le... Il était un peu pris dans l'explosion le, dans de Superman, et du coup, bah, il est super vénère, tu vois. C'est un, un peu le symbole du critique, quoi. Le mec, il, il ça y est, il faut qu'il aille lui péter la gueule, quoi. On sait pas Mais là, c'est, on ne plus post-11 septembre dans le traitement. Ouais, c'est vraiment, mais vois, que... il a vu les bulletins, les buildings et pour, pour moi, une fouille. vision de Batman post-11 septembre réussie, on en a eu une avec Dark Knight, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, enfin, quelque part, c'était déjà complètement cette thématique-là, et là, à mon sens, elle marchait mieux, quoi. Donc, euh, voilà. Après, pour en revenir à, à, à tout ce qui représente, à tout ce qui représente, malheureusement, Snyder au cinéma bah en fait on retrouve tout là-dedans c'est-à-dire que bah, par exemple tu vois le personnage de Lois Lane euh, c'est ni plus ni moins qu'une demoiselle en détresse permanente qui est toujours là qui a toujours besoin d'être sauvée qui fout la merde hein, en permanence oui, c'est le début bah, voilà, hein. bah, surtout dans la version ciné parce que dans la directrice cut elle a son enquête euh, oui, euh, je... ça, ça fonctionne tu vois. oui d'accord il n'empêche que c'est ouais. quand même elle qui va être responsable d'un tas de problèmes c'est quand même un gros souci euh, et puis après, pour en revenir en fait à l'obsession du, du mouvement dont on parlait juste avant, euh, c'est qu'il y a quand même un personnage qui fonctionne assez bien sur les trois. Euh, je trouve que c'est Wonder Woman. Euh, parce que justement, au travers du mouvement, il arrive à faire quelque chose d'elle. Que tu as ce fameux speed ramping avec euh, euh, les et les accélérés qui fonctionne quoi. Et ça, ça, je pense que ça l'intéresse un petit peu. tu vois. Elle a quelques images iconisantes quand elle arrive avec son bouclier et tout. Mmh. Ça marche à peu près bien. Par contre, tu te rends compte très vite. Fin, que Batman il sait pas quoi en foutre. Parce que justement <laughs> lui, il... clairement. T'as même un, un super plan de Batman dans la baston où tu le vois perdu. Là, que Wonder Woman et Superman se battent contre Doomsday et tu le vois qui regarde en mode bon bah petit kebab ou comment ça se passe mais d'où le fait que le seul truc qu'il sait lui faire faire c'est lui faire utiliser des gros guns versus des méchants triste, ça. Et, ça veut et ça veut dire qu'il sait lui faire une chose c'est que pendant le combat pendant que le combat final se, dérou se déroule lui il est un peu à part en train de se cacher entre des petits immeubles parce que justement cette histoire de mouvement et tout avec, ba avec Batman elle fonctionne pas et t'as aussi alors un truc dont on n'a pas beaucoup parlé qui est, qui est là depuis 300 on va dire quoi mais qui était déjà un peu là dans l'armée des morts c'est Justement, le fameux virilisme propre à Snyder, hein, il se réclame un petit peu d'une espèce d'imagerie viriliste, en tout cas, il s'en cache pas. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait pour que ces héros ressemblent vraiment à des héros C'est qu'il a demandé à Henri Cavill de prendre 30 kilos de muscles Hein, déjà sur Man of Steel, il a demandé aussi à Ben Affleck hein, de, de prendre euh, énormément en musculature hein, et de bien le filmer, tu sais. Enfin, euh, c'est assez troublant comme truc, quoi. Et de le filmer à taper sur des pneus aussi. Euh, Par exemple, voilà. Et, euh, et en fait, on parlait de sexualisation, mais en, en fait, le truc de Snyder, c'est que la sexualisation, elle se limite même pas à la femme. Hein, même le culte du corps masculin aussi hein, est représenté en tant qu'objet qu de fantasme permanent, en fait. Hein, parce que ces héros, c'est aussi ça. C'est des montagnes de muscles, tu vois. C'est le. C'est l'homme blanc, hein, blanc la plupart du temps, très fort, qui doit sauver une femme en détresse parce que la femme est là que pour être sauvée. Voilà, ça c'est la vision un peu Snyderienne de de l'histoire quoi. Alors que bon, je pense que les gens qui ont une culture un peu plus étendue en termes de de, de culture populaire, de, de, de comics, de romans graphiques, sont bien conscients que c'est un petit peu plus subtil que ça, quoi. Je suis déçu, t'as pas compris *Sucker Punch*. Hein. T'es vraiment nul Marvin. Non, non je l'ai pas compris, j'ai rien compris, je suis vraiment une merde. Mais, euh, mais voilà, après, c'est un film que je trouve abject, affligeant, euh, dangereux, euh, véritablement. <laughs> quoi C'est un des, des pires trucs ah ouais. que j'ai vu de ma vie, quoi très clairement. Et on essaye de le réhabiliter à travers son *Extending Cut*, qui est aussi nul que la version cinéma. Enfin, et oui, ok, elle comble des plots holes. Il n'empêche que le propos final reste le même. Et que c'est absolument absolument dégueulasse quoi jusqu'au bout. Et puis t'as aussi des, des obsessions de Snyder euh, récurrentes à propos des gens qui n'ont pas le physique justement pour répondre à la cruauté du monde, tu vois. Les handicapés par exemple. Voilà. Qui est le mec <laughs> tente de tuer Superman C'est un mec en fauteuil. As un mec qui peut pas bouger. Encore une fois l'obsession du mouvement. Qui est le mec qui s'intègre pas dans la phalange de 300 Bah c'est l'handicapé parce qu'il peut pas. Il a pas les capacités physiques pour tenir le truc quoi. Qui c'est qui finit dans les shots dans Watchmen C'est le nain. Oui, encore une fois. Voilà. Ça c'est des trucs qui peuvent te paraître cons. Peut-être que j'extrapole, mais mais vraiment je pense pas quoi. Et à côté de ça, voilà, as encore des trucs obs euh, la, les armes. Donc Batman tire avec des gros guns, tu vois. Euh, ok, c'est cool. Il tue des gens. Il tue des gens. Attends, mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Il tue des gens et il les marque au fer rouge. Ah oui, ça, mon ça, dieu. Beau, ça. Le, le, il les condamne. Il les et condamne. John. Le symbolisme, ça fait réfléchir en vie dans une société. c'est assez hallucinant. Voilà. Donc je j'ai pas grand chose. Et quand, quand Alfred lui fait remarquer, il dit mais on a toujours été ouais, des criminels. Exactement. Voilà. So Encore une fois, ça fait réfléchir. C'est 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 assez troublant. <laughs> c'est assez abject. Mais il y a quand même une citation à qui King Kong, parce que Manu l'attend, Manu me l'attise mmh. depuis les. J'avais j'avais pas. C'était même pas moi, c'était lui qui l'avait remarqué en revoyant son. Voilà, t'as une citation à King Kong avec à Doomsday à un moment, qui est sur un euh... immeuble, voilà. Donc ça m'a rappelé des de, de, de grands souvenirs de l'épisode précédent. <laughs> Mais voilà, c'est la seule chose qui était à peu près acceptable. Et tu vois, pour quand on parlait tout à l'heure de. Parce que le, le, le truc qui a un petit peu euh, polarisé les critiques à la sortie du, de, de ce film-là, c'était le, le fameux histoire de Martha, quoi. Le truc un peu Martha. Euh, Martha, euh, bah nos mères ont le même prénom, donc du coup, on va devenir potes instantanément hein donc en fait ça... mais ça en fait c'est juste parce que Snyder... ça réveille quelque chose en lui ouais ça réveille un truc en lui et puis surtout parce que Snyder, encore une fois il sait pas comment faire pour générer de l'émotion donc euh, qu'est-ce qu'il fait pour lui qu'est-ce que c'est que la figure euh, la, la seule figure émotionnelle le seul probable, probable exemple qu'il a dans sa vie bah, c'est sa maman parce qu'au final c'est que des mecs qui ont des problèmes avec leur maman euh, non parce que c'est que ça hein, au final tout tout leurs problèmes découle de, de soit de l'absence de la figure maternelle ou soit d'un espèce de suramour pour une figure maternelle donc c'est ça qui les relie quoi voilà euh, c'est c'est Carnage que tu opères là. Non, ça point. va, ça après, va. Après s'être battu parce qu'il y en a un des deux qui voulait juste pas discuter. <rire> oui. <rire> oui, oui. Puis, elle est difficilement justifiable cette baston parce que c'était les mecs, posez-vous deux minutes. Deux minutes, <laughs> je veux dire, c'est. Euh... Mec, attends, il y a un méchant, d'accord Et à côté de ça, c'était très difficile de toute façon, je pense, à anticiper comme baston parce qu'il avait tellement représenté Superman comme un comme La puissance incarnée dans Man of Steel, hein, quand même, que c'était très difficile quand on a vu apparaître le Batman v Superman de se dire mais de quelle manière il va le battre euh, exactement, quoi. Peut-être qu'ils vont faire une partie de jeu vidéo, enfin, je sais pas, tu vois, c'est peut-être le seul truc, quoi. Donc, euh, d'ailleurs, tout tout stark hein, qui amène à la, à l'espèce de, de, de sais, de, bah, et en gros, qu'est-ce qu'il fait euh, Batman pour euh, se préparer à affronter Superman Il fait de la muscu. Voilà, donc ça, ça représente à peu près tout ce que ça veut dire. Euh, donc euh, voilà, voilà, je j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Hein. Euh, c'est absolument, c'est déjà bien. C'est absolument immonde. Immonde. absolument immonde, vraiment. Il fait des grenades de gaz. Ouais. vrai, euh, l'idée de gear up, euh, gear up de Batman euh, pour aller se taper contre Superman, c'était le truc qu'il aurait. Il aurait pu de pas foirer. Il y avait déjà plein de choses qui avaient été faites. Il y avait déjà des bonnes idées un peu partout. Il aurait pu s'amuser. Batman, Bruce Wayne, Batman avec la Kryptonite, il fait plein de trucs. Mais c'est, j'ai pas compris. Euh... En fait, je suis pas fan du DC. Désolé, j'ai pris la parole comme ça. mais Est-ce qu'il y avait, il y a une autre, parce qu'il y a des gens plus connaisseurs du DC que moi, là, peut-être, autour. Est-ce qu'il y a des adaptations de Batman aussi bourrines en mode punisher, redneck, comme ça, où il y a que lui qui a fait ça? Oui, il en a quelques-unes, mais c'est plus des one-shots ou des visions. Un peu alternative d'artistes qui font des machins un peu plus sombres mmh. à côté. Après, là, en théorie, il adapte quand même un peu Miller, parce que c'est Dark Knight ouais. Returns. Mmh. Ah bah, euh... Il adapte carrément Miller avec le, il... le vieux Batman. Il adapte carrément Miller, donc euh, quand on connaît son lien avec, euh, avec Miller euh, et justement tout le traumatisme post en septembre qu'il l'a complètement février, mmh. euh, ouais, je pense que c'est assez parlant, quoi. Même si, euh, a priori, dans Dark Knight Returns, euh, Miller, il mettait en scène un vieux Batman, ce que ce connaît pas bah voilà. Ben Affleck, en fait. Là, c est, c est pas... Un des trucs euh, qui. Qui relève justement à ce que je disais tout à l'heure sur la mécompréhension totale de ce qu'est Batman, c'est que le, le, ce combat dans Dark Knight Returns, c'est un combat de mecs qui se connaissent depuis 30 ans et qui ont combattu ensemble, et d'un Batman qui euh, a toujours eu, euh, qui a toujours au fond de la tête euh, l'idée que tous les personnages puissants peuvent à un moment craquer et prévoit des plans de contingence, mais qui va pas mettre en application et essayer d'aller préventivement niquer le mec qui est plus... enfin qui se présente mmh. comme un super héros à la base, quoi. Et ça, alors ça a causé quelques problèmes à travers son historique éditorial. à Batman d'être aussi méfiant et de prévoir des trucs comme ça parce que les autres se sont trahis. Mais c'est ça Batman, c'est le mec qui prévoit des plans de contingence et qui a toujours un coup d'avance. Finalement, le, le gars il voit un mec plus puissant que lui, il se dit faut que j'aille lui niquer la gueule quoi. Ouais, <laughs> c'est Le problème. Mais c'était pour ça que je posais la question en fait parce que pour moi j'ai juste vu en fait Batman encore une fois se faire tordre pour rentrer des idéaux et euh, l'idée euh, faites des murs, virez les étrangers dehors et l'homme battra Dieu. Ok, tout ça en un a... seul personnage qui c'est le seul personnage d'ici que j'apprécie réellement tu vois que je connais vaguement on va dire parce que j'ai pas la prétention de la connaître. Donc, déjà ça va fait chier quand j'ai vu ça ça va sortir du film Complètement. Donc, j'ai franchement pas grand chose de plus à rajouter euh, après Marvin, parce que je suis très d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dit là-dessus. Enfin, sauf que, moi, le film, je l'ai trouvé tellement fun du moment que je l'ai considéré juste comme une présentation d'ici Une fois que tu regardes le film comme ça, c'est juste marrant. Moi, j'ai trouvé, alors j'ai vu que la version Cinéma, j'ai trouvé très, très marrant en fait euh, le fichier euh, l'ex-Luthor euh, ex Justice League. <laughs> ça, c'est chaud euh... quand même. <laughs> Ils ont tous des logos, déjà. Ouais Il <laughs> y a un service marketing, nickel oui, Apparemment. <laughs> bah pour, pour moi, ce film, c'est ça, en vrai. C'est euh, te servir de tremplin parce que c'est compliqué parce qu'il y a un truc à concurrencer à côté. Te foutre quand même un moment euh, le titre du film dans le film, la bagarre, parce que sinon, c'est un peu con. Et même, il y a des choix. de Par exemple, le choix de Doomsday, je le trouve tellement ouf. Parce que déjà, c'est pas du tout Doomsday. Enfin... Pareil, ça m'a choqué la façon dont ils ont créé Doomsday. Et surtout, c'est que j'y connais que dalle en Superman, mais je, si je vous parle de Dick mais Doomsday, c'est quand même genre dans les années 90, le premier héros, enfin, le premier vilain qui a buté. Ouais. Super, donc pour moi, ça veut dire quoi? C'est que Zack Snyder il a juste pris Doomsday alors qu'il aurait pu prendre plein d'autres juste pour faire sa scène du cimetière à la fin, mais parce que euh, c'est encore l'histoire de reprendre une imagerie sortie d'une couverture de comics, mais sans okay. comprendre ce qu'il y a derrière. <laughs> ouais. bah, c'est très triste. Donc, BBF BV, Batman et Superman en fait, euh, moi je l'ai pris avec plein de recul, donc il m'a fait marrer. Il euh, y a plein de petites scènes qui m'ont fait marrer. Il euh, y a le petit saut dans l'eau de Lois Lane, enfin, il y, y a la Lois la Lane de Chekhov euh, qui est là <laughs> pour la lance. Minutes après, elle est là récupérée et presque mourir. Voilà, ce qui c'est bien la preuve que c'est toujours elle qui fout la merde. Hein. Ouais. Bah pour moi, je l'ai vu en prétexte en mode Hey les gars, normalement, un spectateur intelligent dirait c'est pas bah, le Superman qui peut la récupérer la lance, il utilise là comme un objet. Voilà, c'est juste ça comme ça. En fait, le problème, c'est que tous les personnages des films de Snyder sont des idiots finis. Ouais, un peu, non, ouais. non, <laughs> véritablement. Là, ils sont tous très cons. C'est les anges, en fait. D'ailleurs, à la fin. Euh... Wonder Woman, elle pouvait être tranquille aller planter Doomsday aussi si elle voulait. Hein. Oui, mais mais puis, super, ils auraient pu foutre Superman au soleil, j'en sais rien. Non non non, non elle était en ralenti mec. Pendant que Superman est en train pareil, j'ai vu à ce moment où Superman est en mode pouvrette là derrière son rocher en mode, bah, je ne suis qu'un homme. Euh, pourquoi justement il s'est pas servi bah, Lui c'est le cerveau normalement, bah, lui il les fait parler en mode, jette le à Wonder Woman, ah ok mec pas qu'on. Enfin bref, il y a deux choses sur lesquelles je veux parler. C'est déjà la scène avec Flash. Alors, j'ai pas vu la j'ai pas vu l'extended cut, mais en tout cas, en version 6 débat, c'est genre j'ai impré... l'impression j'avais l'impression que le fichier avait bugué <laughs> Genre, euh, il s'est passé quoi <laughs> J'avais l'impression de me retrouver dans Injustice 2, le jeu, euh, avec la scène de Batman terroriste, mm. Batman Khalifa, ce que tu viens de dire. parce que c'est une adaptation d'Injustice ce film. Ouais, peut-être, ouais. Et je vais en vouloir au film pour une chose, c'est que putain ce connard, il m'a donné envie de regarder Wonder Woman que je n'avais pas vu euh, parce que la oui, seule oui, chose oui, que oui, fait oui, oui, bien oui. le film, c'est te vendre Wonder Woman. En fait, elle est, le, elle est le, le point fort du film, hein, je pense. Hein. En vrai, ouais, parce ouais. qu'elle euh, a ouais. tout ce qu'il faut, euh, elle a tout ce que tu veux, c'est parfait. Et je suis voir Wonder Woman, c'était pas si bien, donc euh, je lui en fait encore un oh peu ben plus, non. en fait. <laughs> en fait, Wonder Woman, ça marche jusqu'à ce que tu te retrouves avec des scènes d'action qui semblent réalisées par Snyder, quoi. Ça va pas avant, quand même, hein. ça va pas dès les 5 premiers minutes. Ouais, mais ça va, il y a pire. Juste pour dire un truc, c'est que, quand même, euh, BVS, c'est un film qui est marquant et qui me qui génère peut-être encore plus de ressentis chez moi, dans le sens où il symbolise véritablement la fracture, c'est à ce moment-là que tu as eu la vraie fracture, entre les gens qui se définissent avant tout comme fans de Snyder, et qui ont embrassé sa vision, et du coup qui, 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 sont, qui sont prêts à partir à la guerre, et les gens qui l'ont rejeté viscéralement. Et je pense que le film il a peut-être vachement bénéficié de, son, de cette espèce de mensonge qu'il y a eu à la création du DCU, de faire un truc qu'ils appelaient « director-driven », c'est-à-dire, regardez en face, chez Marvel, ils prennent des mecs qui n'ont pas trop de personnalité pour adapter nos personnages. Et nous, on va prendre un vrai auteur, un mec qui porte une véritable vision, parce que ça, on ne peut pas lui enlever, quoi qu'il arrive, pour mettre en scène nos personnages. Parce que même si le film s'est fait défoncer par la critique, il y a quand même une grosse, grosse fanbase qui s'est autour, euh, qui, qui va nous mener tranquillement jusqu'au au Justice League Snyder Cut, quoi. Puisque les, les gens voulaient vraiment voir cette espèce de vision. Euh aboutir par la suite quoi. Et je pense qu'en fait c'est un film complètement con, mais vu qu'il se... Il essaye de te faire croire qu'il est dark et mature, ben tu vois il y a plein de gens qu on, qu on, qu on, qui se sont sentis un peu euh, es, c'est la même chose que le public de Nolan qui dit que pour comprendre mmh. Nolan il faut avoir un bagage un certain bagage alors que c'est faux c'est pas vrai bah, ça revient à moi à 16 ans enfin, en face fait. ben à et... voilà c'est ça c'est le public qui surintellectualise un truc pour se faire mousser lui-même et c'est exactement la même exactement chose qui se passe devant BVS c'est c'est du pur ego hein. allez voir vos films Marvel avec du slapstick et des blagues de merde nous on a besoin d'un truc dark et mature et au final, ça ne l'est pas vraiment. C'est la même chose, juste avec un skin un peu plus dark dessus. Mm -hmm. Avant de passer à Romain, je voulais juste euh, euh, revenir un petit peu sur, sur un point moi qui me fait démarrer, même peut-être deux points, parce que vous parlez du fandom, justement du, du Snyderverse. Il faut savoir que c'était un peu mal parti au début, parce que quand ils ont su que c'était Ben Affleck qui était Batman, on en a entendu parler pendant deux semaines. Hein. Ouais, alors qu'au final, il n'est pas si mauvais que ça. Non, ah, c'est pas, pas une pas tâche. Ah. C'est ce qu'on lui fait le faire, en fait. C'est pas, euh, euh, pas, euh, pas le défaut. Moi, le gros défaut du film, c'est les dialogues. Les dialogues sont insipides. Il y a un dialogue, moi, qui me fait rire, mais qui m'a fait, fait délirer, j'ai pas compris. On y revient à la scène du cimetière, justement, où euh, Superman est enterré. Et on a une scène où t'as Martha, donc, euh, la mère de Superman, <laughs> qui regarde Loïs et qui fait « Eh, j'ai oublié mon chéquier pour payer les pompes funèbres." <laughs> ok. Ah, ça ça wow. de... C'est à la fin, ça. Ouais. C'est pour montrer que Bruce Wayne a tout payé, c'est pour ça. Ouais. Ok. Ouais, parce que ouais. c'est naze, hein. Enfin, franchement, quand t'as des dialogues comme ça, <laughs> <là>, tu <laughs> pas, mais qui, mais qui... Non, mais déjà, le fait. <laughs> que quand il lâche Martha. Même le. Euh, Dis-moi, est-ce que tu saignes ouais, ouais. Enfin, Franchement, quoi. Yeah, oui. you bleed, ah. you bleed, you will. Il est tellement vénère. Il... C'est pas possible. Bah, J'ai envie de mettre des gifles. Le... Parce que je vois, mais le Batman de ce film-là, il a vraiment. Mm -hmm. Là, Ben Affleck, il a cette grande mâchoire carrée, il passe son temps à de avoir les dents serrées, il a dû sniquer les molaires. C'est. Vite niquer ta mère euh, Surtout qu'il paraît un peu grassouillé dans le costume, je trouve. On dirait des fois, il bouge un peu euh, difficilement. Et dans Suicide Squad, où tu sens que c'était sur un tournage qui était entre ses entraînements, qu'il a pris un peu du poids il bouge pas le mec. Il a le costume. Tu sais que s'il fait un mm, le mec. Le pète. Ouais, voilà. Je vais être un peu mon moins vous parce que vous avez, déjà, vous avez déjà bien défoncé le film. Donc, bon, voilà. Hein. que j'aime pas après. Et il ne reste plus qu'à l'enterrer, vas-y. Moi, je trouve ce film totalement con. J'ai capté que ce film ne respectait pas son spectateur quand euh, tu as une séquence d'une grande soirée chez l'ex-Luthor où tu as Clark Kent qui y va et il voit Bruce Wayne arriver. Donc Clark Kent, journaliste, voit... Euh, et il demande qui c'est Qui sait. <laughs> Voilà. Et le plus grand milliardaire du pays arrive et fait, euh, c'est qui Frère, t'es journaliste Et je me suis dit, oh... Putain, ça va être long tout ce bordel. Et après, forcément, il y a tout ce que vous avez dit. Et moi, ce qui m'a saoulé, c'est même pas en termes de films de Zack Snyder, parce qu'on a déjà fait le tour. Hein. En termes de films de super-héros, c'est vraiment un film qu'ils ont rushé pour rattraper le concurrent d'en face, qui eux avaient pris de l'avance et qui se mettait plutôt bien. Même si en 2016, c'était War, c'était vraiment l'entre-deux où le MCU était pas encore roi, je trouve. Parce qu'on dit ce qu'on veut maintenant, mais il roule sur tout le monde le MCU. D'ici, avait cette chance de tenter un truc et il en totalement foiré parce qu'en fin de compte, pour moi, BVS, c'est pas BVS, c'est juste une sorte de trailer de tout ce qui va sortir ensuite mmh. avec une petite avec une baston entre les deux euh, de Superman et Batman mais je trouve que Wonder Woman elle est bien mais euh, elle annule tout le propos au final c'est-à-dire qu'elle ridicule un peu Batman à la fin, à part dans, dans son film ensuite. Les fichiers vidéo dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est marrant deux secondes, mais ça n'a rien à foutre. Là, on dirait une scène post-générique au milieu du film. Le, le film fait des tonnes d'équerres à droite à gauche pour pouvoir euh, vendre ce qui se passe ensuite. Et se fait limite des clins d'œil en mode « Eh, Aquaman !»« Eh, il y a Flash !» Enfin, Vous voyez ce que je veux dire La scène de Flash, on en a parlé aussi à, à l'instant. On sait pas ce qui est fou là. Hein. <laughs> et mec, parle de Flash dans le film. Ouais. C'est ça même. Même le caméo de Flash dans Suicide Squad avait plus de sens, je, je trouve. Et pour moi, c'est le défaut du film parce que finalement, on pourrait vraiment gagner une heure euh, si on arrêtait de, de partir dans tout ce, toute cette survente. Euh, ce mot n'existe pas survente, mais vous avez capté. De de futures franchises, de... On va, on va rattraper Marvel, on arrive, on fait ce qu'on peut. Et pour moi, c'est ça qui a foiré totalement tout le film et même tout le DCU parce qu'ils ont toujours pas réussi à mettre un univers en place. La preuve, hein, euh, voilà. Et c'est super dommage parce qu'il y a quand même des gros moyens qui sont... Mis en avant dans ce film, visuellement, je trouve que ça défonce encore une fois. Euh, la baston euh, BVS euh, au milieu du film, euh, je la trouve vraiment belle. Pour le coup, j'ai revu le Blu-ray. La pluie, les éclairs, tout ça. Pour le coup, on dit qu'on va sur Snyder, mais là, il s'est dépouillé et je trouve que le film, il claque sa merde. Ouais, c'est horrible, quoi. Mm -hmm. mm. Mm. Oui, ouais, je suis d'accord avec Marvin, mais. Et bah, battons-nous. <laughs> euh... <laughs> bon, il va sauver Martha, la grosse baston. Ah, elle est cool. J'adore cette elle scène. Ah cool. hein. oui, il oui, arrive et il séquence. dit Je suis un ami de votre fils. Il y a deux <laughs> minutes, <où> vous voulez <laughs> le tuer, mec. Tu prends juste la scène quand, quand tu regardes Ongubak, tu vois. Oh, il ferme sa gueule. Et voilà. <laughs> J'aime bien cette séquence parce que c'est le propos du film hein, c'est que tous les figurants qui croisent Batman meurent de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est et pour le coup, c'est vraiment un Batman bien utilisé. Quoi. Il a fait, écoute, t'es musclé, tu sais pas quoi faire, tu ne seras à, dans, dans, à rien dans le final. Au moins, tu auras, auras cette séquence-là. Mais euh, non, je trouve que Snyder n'a pas capté euh, ce qu'il devait mettre dans un film comme ça pour que ça fonctionne. Après, mmh. je pense qu'il y a aussi les studios derrière qui l'ont un petit peu fait chier, parce que ça reste un film de studio, hein, DC, Warner, tout ça, qui devait pas avoir le, le final cut. Bah, euh... En fait, mais c'est aussi un truc qui représente la bêtise de certaines politiques de studio, parce qu'au final, tu peux penser que c'était pas une mauvaise idée de... De vouloir créer un univers partagé de super-héros avec un vrai réalisateur aux commandes qui chapote le truc, tu vois. Qui soit pas Joss Whedon par exemple, quoi. Tu vois, qui soit vraiment un vrai auteur, quoi. Et, euh, perdu. Et, et finalement, les mecs, ils sont complètement, ils ont complètement viré de bord, euh, parce qu'au final, ce qui est arrivé à Snyder, ses problèmes familiaux et tout, je pense que ça, ça les a plutôt arrangés euh, en lui disant euh, sur Justice League, vas-y, casse-toi. on va prendre Joss Whedon et puis euh, on va faire un film euh, un peu... Euh, un peu assemblé à la marvel quoi même si ça marche pas non plus justice ouais. league tu vois. Je voulais réagir d'ailleurs euh, sur un truc que tu as dit Romain c'est que quand tu le vois pas en tant que enfin tu vois pas la vision du film mais une sorte de trailer pour les autres euh, pour le reste de l'univers je suis que partiellement d'accord avec ça pour moi en fait euh, le DCU il est enfin il s'appelait même pas comme ça d'ailleurs mais il est vraiment coupé en deux entre ce qu'aurait dû être Man of Steel BVS Justice League Justice League 2 euh, je pense que la, la Snyder Cut montre vraiment que c'était un arc de quatre films qui était géré par Snyder. Et à côté, au final, les films Wonder Woman, Aquaman, euh, euh, Flash si on l'a un jour. Shazam. Euh, Shazam, ouais, sont pas du tout dans cet esprit. Ils sont quasiment... Euh, quasiment déconnecté si ce n'est que ça reprend les mêmes personnages mm -hmm. donc pour moi c'était un peu la c'est un peu de Justice League zero. en fait BVS dans l'esprit ouais mais est-ce okay. que ces aventures annexes dont tu parles donc Aquaman Wonder Woman euh, le, le ton un petit peu déconnecté dont tu parles c'est pas juste les conséquences des réactions de BVS aussi ouais. bah, c'est ouais, toujours c'est toujours un exercice de damage control parce que quand tu regardes ah, ouais. la première version de Justice League il y a aussi cette cette réponse à la plus grande critique qui a été faite à BVS quoi c'est le fait que Batman et Superman finissent super potes en deux scènes et euh, t'as ça dans Justice League où quand Superman euh, sort de sa résurrection la première chose qu'il dit à Batman c'est euh, et toi t'es bizarre il euh, y a pas longtemps tu voulais me tuer maintenant tu veux me ressusciter quoi ça c'est pareil c'est un truc à la con euh, genre bah oui vous avez vu on prend en compte vos critiques mais c'est ça moi que je reproche en fait au euh, en... DC univers c'est que tout cet univers, en fait, depuis Man of Steel, c'est du Damage Control. Hein. Parce que okay. le, le, le coup du côté très long septembre de BBS, c'est une réponse aux critiques de Man of Steel où euh, Superman, enfin, à la fin, Snyder part en, en Snyder et défonce toute la ville. Mm -hmm. Et c'est ça, moi, que je reproche vraiment euh, à ce film et à, et à ses suites, c'est que, en fait, c'est pas un univers fondé, c'est juste des s'emboîtement de réponses et d'autres d'autres critiques, euh, un bordel. Là, je sais pas. Sur Snyder, j'ai quand même l'impression qu'il avait sa vision à lui. Ah mais bah il l'avait. Qu'il a mené depuis. Ah bah il l'avait. Pour le coup, il l'avait vraiment. On l'a, vu. Hein, Snyder cut. On pense qu'on veut de ce film. Euh, finalement, euh, bon bah c'est clairement un film à lui qui a absolument rien à voir avec la, la, le le, le style de Widon. D'ailleurs, ce qui me fait peur, c'est que je disais que ça avait clairement l'air prévu pour un, un arc de 4 films. Et euh, avec le release de Snyderverse, je suis pas. Je suis pas on n'est pas à l'abri que Warner finisse par craquer et nous sortir le Justice League 2 qui est presque teasé par. par ah, c'est sûr. sûr. Avec HBO Max aujourd'hui, je pense qu'on va clairement dans ce sens-là. Hein, parce qu'au pire, même si ça ne sort pas en salle, on aura toujours une plateforme où ça pourra, où ça pourra arriver. On aura des clients pour aussi. En fait, je serais surpris que ça n'arrive pas finalement. Alors ah, que hum. c'est dommage parce que tu vois, dans la carrière de Snyder, on en arrive à un stade là où euh, il, va, il va proposer son deuxième film original de sa vie. <laughs> euh, sur Netflix bientôt, c'est le Army of the Dead, hein, parce que pour le coup, c'est pas, cette fois-ci, c'est pas une réadaptation de Romero, c'est une vraie idée à lui. Euh, complètement con hein, d'ailleurs je sais pas si vous avez vu que Dieu nous protège oui. ça fait 10 ans qu'il veut faire ce film au passage ouais, ouais, que ouais. Dieu nous protège deux fois avec des gilets par oui, balle. Il, il, il a mis 20 ans à faire Sucker Punch et c'était pas une bonne chose non plus <laughs> il l'a écrit pendant le tournage de ce Punch on n'est pas à l'abri de, <laughs> de, 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 de voir le Snyder Verse un petit peu ressuscité d'ailleurs je serais très étonné que ça n'arrive pas hein. enfin, comment, moi c'est sûr je vois pas à quel moment Warner va se dire euh, la poule aux d'or on va l'acheter une deuxième fois je pense pas quoi je voulais revenir sur un point dont on n'a pas du tout discuté dans ce film euh... Un autre personnage totalement saccagé, Lex Luthor. Ah non, ah, Lex Luthor, le Joker. -Luthor, je est... C est, c est Lex Luthor, mais c'est compliqué d'écrire Lex Luthor. Mark Zuckerberg, ouais. c'est le, le vilain, le vilain qui veut juste s'opposer à Superman, c'est très compliqué à, à écrire et ça se voit que ça a été compliqué parce qu'il est très mal écrit. Mm -hmm. Après, ça vaut peut-être à, à cause du jeu de Jesse Eisenberg qui est un petit peu. Ouais, mais je pense qu'on lui a dit dans... fait ton délire ouais. classique euh, en étant une sorte de, de, de super vilain et il, euh, bah, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Quoi. Je ne pense mm. pas que ça soit Enfin, vraiment sa faute. Euh, à la rigueur, euh, Jared Leto avec David Ayer, j'aurais peut-être euh, tendance à blâmer les deux. <laughs> Là, je ne sais, sais pas si j'irais blâmer Jesse euh, euh, Eisenberg. Mais cette vision de l'ex-tutor, euh, je la trouve absolument horrible encore. Euh, et pour rebondir sur le fameux. Euh, euh, C'est un, un film qui a été fait pour ouvrir un univers et rattraper la concurrence. Tout le DCU. Tient, et, et la création de la SIG, tient sur le fait qu'ils avaient la flemme et qu'au final, l'ex-Luthor prenait l'identité de tout le monde. Mais surtout que le plan de l'ex-Luthor, il n'est pas clair. Hein. Pour être le résumé en faisant, euh, en faisant 10 minutes d'explication, je pense. Mmh. Mais, euh, <laughs> il rien, hein. Mais il tient à rien. Mais il tient à euh, rien de la même façon que le plan de Zemo tient à rien dans. Mmh. Dans Civil War euh, un mois plus tard quoi. C'est le même genre de. Euh, J'espère je, que deux manipulations vont entraîner tel événement qui va entraîner tel événement qui va, qu va entraîner tel événement et que ça va aller dans mon sens. À la rigueur, l'exclutor force un peu les choses à la fin avec l'enlèvement de Martha quoi. Ce personnage montre la flemme totale de Zack Snyder et de DC enfin de Warner à ne même pas chercher de subtilité même pas même pas réfléchir à comment ces héros pourraient euh, en arriver à découvrir leur identité ou quel est, euh, quel est même euh, le concept d'identité secrète d'un super-héros dans cet univers. Euh, tout le monde connaît tout le monde, a priori. Et, enfin, en tout cas, l'excluteur le connaît tout le monde et après il va, il va lâcher l'info à qui voudra. Il continue de le faire dans le Snyder Cut d'ailleurs. Dès hein. qu'un mec arrive, au fait, vous savez qui c'est <laughs> Exactement. Et c'est encore une fois, euh, c'est vraiment pas respecter le, le matériel original. Alors, Je, je me contredis un peu parce que je parlais d'adaptation sur Watchmen tout à l'heure, mais il y a un moment, il faut y mettre un minimum de volonté quand même. Ah bon, il faut que le discours original euh, garde, euh, je pense, la même Exactement. direction. Quoi. Tu, vois, tu peux pas complètement pervertir un truc. Il n'y a pas que des costumes et des combats, des, des adaptations d'images de, iconiques ou de couvertures dans la vie qui comptent. Lui, il les voit juste comme des mecs en collant qui se battent, tu vois, et c'est fun, c'est cool. Mais euh, je pense qu'il. Il les aime pas. Il les aime pas du tout au fond. C'est des supports pour moi. C'est que ça. C'est que des supports à idées. En fait, c'est des boîtes à tout ce que j'ai vu de Zack Snyder et dans BBS, ça fait pas exception. C'est juste tout ce qui a un minimum d'écriture en personnage, dès qu'un vecteur à idée et à ses idées personnelles. Et à chaque fois qu'il fait un film, apparemment, ça ressemble à ça. Bah, ça ressemble à ça parce que c'est. Je sais pas si c'est une démarche du coup consciente ou inconsciente, quoi. Mais c'est le fait qu'il utilise des gens euh, euh, qui ont une mythologie euh, quand même assez établie. C'est assez facile de piocher dans tel ou tel arc. Euh... Pour réussir à faire quelque chose d'assez cohérent, en tout cas sur une durée de deux heures, tu vois, c'est faisable. Et lui, en fait, il passe sa vie à, mais pas que là-dedans. Hein, dans, dans à peu près tout ce qu'il a fait, euh, il passe sa vie à, à vider, euh, à vider ce qu'il, ce qu'il adapte de sa substance. Dès l'armée des morts, il transforme un film de Romero en un film de droite, quoi. Enfin, quelque part, c'est une note d'intention pour l'ensemble de sa carrière. <laughs> c'est chaud. Donc, euh... Donc non, mais je pense que c'est ça, quoi. Tu vois. Euh c'est ça le problème quoi c'est juste que voilà donc je vois là je sais pas si c'est conscient ou pas c'est une sorte de c'est une sorte d'icodoclaste en fait qui aime bien casser tout ce qu'il a entre les mains c'est compliqué c'est quand t'as ça en tête c'est difficile de rester sympa dès que tu vas découvrir un truc de ce mec-là en fait tu vois c'est un peu ouais bien sûr bien sûr un peu barrière tu vois après c'est le problème de l'auteur aussi c'est à dire que peut tu peux faire un c'est pas parce que t'es un auteur que t'es bon tu peux faire pendant 20 ans la même chose des choses très marquées esthétiquement ou même narrativement mais euh, bah, ça n'empêche que ça restera avant tout un film de lui. Et aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien qu'on brande les films avec son nom avant, euh, au-dessus du nom du film, de toute façon. Clairement. Ça veut bien ouais. ce que ça veut dire. Hein. Donc, vivement son prochain film de droite, Army of the Dead. Et on va passer directement au courrier des Durandos. <laughs> Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer Alors au cours des durandos, on a eu pas mal, hein, qui était le pire Zack Snyder. Euh, J'ai réduit parce qu'en fait, tout le monde s'est rapproché sur un seul et même film. Ce your Punch <laughs> euh, personne ah n'a osé Snyder Cut hein. personne n'a osé de créer de guerre euh, ah ben os, nous toujours. on n'a pas le recul mais dessus. ça clairement c'est une, une question d'intimidation ils n'ont pas envie de se prendre euh, des <laughs> post BVS tu sais tu risques, tu risques, tu risques des menaces physiques ouais, tu sais que moi je tellement, suis tellement intimidé que maintenant quand j'ouvre Twitter j'ai peur de voir popper hashtag euh, release highercut. cut alors maintenant tu vois je... <rire> <rire> je... mais ça à la rigueur il y a eu la conclusion drôle aujourd'hui tu sais. ah ok donc il n'y en a pas je ne sais plus qui de chez, DC, enfin, de chez Warner qui a été interviewé sur le sujet et qui a dit non, il n'y en aura pas. Merci. Mon... Et ça, c'est une bonne décision. Ça. Merci, Jésus. Pour l'instant, pour l'instant. Alors, Amazingly, Normal Adventure sur Insta, lui, ne fait pas une critique de, 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 du pire film de Snyder, mais il nous décrit Snyder encore mieux que vous pendant 1h30. <rire> Attention, <rire> Snyder a le physique des héros qu'il dirige, mettez-lui des collants et il peut jouer dedans. Ouais, ok, propre. ok. Sauf qu'il est un peu crois. moins balèze quand même. Que... Il est un peu moins balèze, effectivement. On a sur Twitter Florian Baudin qui nous dit. Attention, sans surprise, sans hésiter, Soccer Punch. Tout ce qui est à retenir est son intro. Et encore, je, je trouve que l'intro est à chier. Il crache littéralement sur son propre projet. Les deux versions, ciné comme Final Cut, sont tout aussi incompréhensibles sur la question des représentations. C'est le serpent qui se mord la queue, ce film, en essayant de faire un film sur le pouvoir de libération qu'offre le cinéma et le numérique, mais en enfermant ses actrices dans des coquilles de femmes-objets qui sont vouées à l'échec. Flobby the Chosen One sur Twitter du dit Sucker Punch également sans hésitation, parce que c'est un film douteux dans la manière de mettre en scène les femmes, les fétichisant avec un regard déjà vieillot à sa sortie. Au-delà de ça, l'histoire n'a aucun sens. 110 minutes de Malgaze gerban qui se prétend féminine. Oui complètement. J'adore. <laughs> comment on peut s'auto, comment on peut s'auto pervertir soi-même quand même, c'est fou. J'ai hâte de voir la Snyder Cut de ce film parce que finalement l'Extended c'est pas la <laughs> Snyder vrai, Cut. Ouais, c'est vrai. Putain on a hâte. Release really the, the, the real show girls de, de Zack Snyder quoi. On en a parlé, c'est vraiment dans les tuyaux. Ah non mais non. C'est quoi cette manie de, de faire des, c'est trop facile, je sais pas. C'est des DLC. On fait pareil dans les jeux vidéo alors. Tant qu'on en est à ce niveau de bordel, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher George Miller, qui était quand même le premier euh, réalisateur pressenti sur Justice League, pour lui demander sa version, quoi, tant qu'à faire. Ce hein, serait <laughs> certainement mieux. ça serait certainement Avec mieux. le mardi en grille de lanterne ouais, ouais, bah Oui, mais ça serait mieux. <laughs> là, tu peux en être sûr. Hein. <laughs> et là, un petit peu d'originalité, là, on nous parle de Batman v Superman Cut cinéma de Sayada, qui nous dit que, bah, que BVS, parce que le montage est nul et l'histoire est incompréhensible. Voilà, aussi simple que cela. Voilà. Mais le problème c'est que quand tu finis par la comprendre, c'est nul comme un. C'est ça qui est fou quand même. Et Kiwu pour finir nous dit encore Batman VS Superman Face Palm toutes les deux minutes. Par contre, j'aime bien sur Cup Punch et au vu des réponses, j'ai l'impression d'être le seul. <laughs> eh ben <laughs> non, parce qu'il y a Attends. Romain. <laughs> Plus. Est-ce que tu chercherais pas un Blu-ray du film par hasard Alors, je sais plus, c'était qui le pseudo Là, ouais, donne-nous ton adresse en deux voilà, là... tu n'hésites pas à envoyer un mail à hervéturfure.com pour recevoir un Sucker Punch à 50 euros. Moi, ouais, j'aurais dit 80, mais bon. Prends-le, 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 <laughs> prends, 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 prends Alors, finalement, euh, la question va se répondre assez vite, mais quel a été pour vous le, le pire film de Zack Snyder dans cette sélection Les mm -hmm. mm -hmm. Sucker Punch. Moi, c'est Sucker Punch. Sucker Punch pour Karim Manu Moi, c'est. Euh, Marie BVS BVS. Manu. Large. Large. Très large. BVS. Putain, c'est BVS et Suckerman. Watchmen, on n'en a pas du tout entendu parler. On a commencé un petit peu à, à bitcher dessus, mais finalement, euh, ça reste dans le, dans le meilleur des acteurs. C'était l'apéro. Ouais, quasiment. Bah, c'est encore acceptable. Disons que je, sa carrière euh, peut être acceptable et compréhensible jusqu'à Watchmen. C'est après que ça Il se délite, Pas quoi. complètement roue libre encore. Pas encore. Ça, ça, ça repart. repart, <laughs> si, on a relancé <laughs> la mais machine. Bon, euh... Une fois que t'as une, une communauté comme ça derrière toi, forcément, euh, c'est pas forcément une bonne chose. fin de Shift Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est une émission qui va être super longue. On est désolé. Merci encore Marvin Montes du podcast Final Cut. Merci à vous. Merci Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Merci. Merci Romain Plon de la chaîne Twitch Raben rider Merci beaucoup. Et Karim Berada du podcast Le Début de la Fin. Merci à toi. Merci à tous. Hervé à pour nous proposer des sujets. On se retrouve dans, dans deux semaines pour vous parler d'un nouveau sujet. Et on sait lequel, mais on vous dira rien. Et c'est un sujet extrêmement chiant, je trouve. Euh, Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord. Retour vers le turfu.com pour retrouver tous les épisodes de RVLT. Cheatlist et du début de la fin. 5 étoiles sur Apple Podcasts avec une podcast, iTunes, podcast Alic, Avec un petit commentaire. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu. Bisous. Et à la prochaine. Ciao. Salut. Salut. Salut.